Attention, 3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Nous sommes le mercredi 12 juin, il est 9h32. J'ai 2 minutes de retard parce que je terminais de manger ma banane avec du beurre de cacahuète et vous êtes ravis de le savoir. Comment vous allez toutes et tous? On se retrouve aujourd'hui pour un live sur vos histoires croustillantes, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je ne vois pas plus de lumière sur cet ordinateur? Je ne sais pas. Bonjour. Bonjour à tous celles et ceux qui sont là, qui nous rejoignent. Comment ça va? Pour participer... je suis désolée, je suis complètement à la masse. Je me suis réveillée hyper tard aujourd'hui. Et du coup, mais je suis complètement dans les choux. D'habitude, je me réveille à 6h. Là, je me suis réveillée à 8h. J'ai fait « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Écoute, bien dormi. Et bah, du coup, moi aussi... Peut-être même un peu trop dormi, tellement que je suis un peu dans les choux. Mais écoutez, ça va aller, ce sera juste une ambiance un peu plus chill ce matin, voilà. Ça va aller, regardez ce petit café qui fume là. Je sais pas si vous voyez la fumée. Oui, vous voyez la fumée. Donc, pour celles et ceux qui veulent participer, si vous avez une histoire croustillante, un potin, quelque chose d'un peu fun, un peu croustillant, quoi, vous m'envoyez un petit popcorn sur Discord, par message privé, dans 30 minutes, Nad on Fire. Oui, non, mais c'est sûr, c'est juste que là, tu sais, je me réveille doucement. Je vais m'en aller en m'en faire un tout de suite de petit café. Bah, t'as bien raison, comme ça, après, t'es d'attaque. Nous, en attendant, on attend vos petits popcorn par message privé pour raconter vos potins, vos histoires croustillantes. Des updates, hein, c'est toujours très croustillant les updates, allez-y. Finalement, le jeudi, évidemment, c'est toujours des histoires croustillantes, mais je pense que s'il y a un jour pour faire les updates, c'est aussi... Enfin, on n'est pas jeudi, on est mercredi, mais vous voyez ce que je veux dire. Le jour des histoires croustillantes, c'est le jour des updates. Normalement, c'est le jeudi, mais demain, je ne vais pas pouvoir streamer, parce que j'ai des rendez-vous, bref. Donc, voilà. Oh, merci pour les bits, ça fait plaisir. Merci pour le soutien, ma Swazik. Merci beaucoup. Faites toutes et tous comme Swazik, envoyez des bits, ça c'est beau. C'est absolument nécessaire pour le soutien de cette chaîne. Allez, on va regarder s'il y a quelqu'un. Oh, mais j'ai déjà du monde. Alors ça, quand vous faites ça, sachez que ça me remplit le cœur de bonheur. Quand vous m'envoyez déjà des petits popcorn, il est 9h35, ça fait 3 minutes, je stream, j'ai déjà 2 personnes pour passer. Là, mais là, je vous aime. Je vous aime. Est-ce que c'est clair? Hello, depuis le métro en chemin pour signer l'acte authentique pour mon achat d'appartement. Trop bien. Félicitations. On croise les doigts. Allez, on va téléphoner à quelqu'un. J'aime tellement les lives des histoires croustillantes. Moi, j'aime tellement tous les lives. Attention, c'est parti. Alors, c'est parti. On téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude. Allô? Allô? Tu m'entends? Salut Gertrude, oui, je t'entends et toi-même? Bien. Alors, on t'écoute, raconte-nous de quoi tu veux nous parler. Alors, moi, c'est une histoire qui est arrivée il y a très longtemps. On était au lycée, donc on avait 16 ans, avec ouais. une copine. Ouais. Et on avait une autre copine dans la classe qui avait quelques années de plus, qui venait d'avoir son permis. Et un jour, elle nous dit « Oh, bah, j'ai un ami qui fait un apéro barbecue et tout. Il est gentil, machin. Et si vous voulez, bah, vous êtes invité, quoi. » Ok. Donc, on y va. Je crois que c'était juste après les cours. Donc, on y passe une petite heure et tout. Et en fait, l'apéro, on le prend... en fait, il avait un appart, c'était dans son appartement, et il avait un petit jardin où il comptait faire le barbecue, quoi. D'accord. Et donc, on fait l'apéro, et en fait, quand on rentre, on sent qu'il y a une ambiance un peu bizarre. Enfin, on sent que c'est pas hyper sain. Et donc, lui, il nous dit, bah, j'arrive et tout. Donc, on l'avait pas encore vu à ce moment-là, quand on s'installe avec la fameuse copine qui nous avait amené. Ouais. Et en fait, il arrive, c'était un vieux de... je lui donnais facilement 55-60 ans, quoi. Ah! Mais oui, quoi voilà. Mais attends, mais elle le connaissait comment, ce mec, là, ta copine? Alors, je pense, enfin, je me suis même persuadée maintenant que c'est quelqu'un qui est très intéressé par l'argent et que ce monsieur en avait. Voilà. Mais attends, mais à 16 ans... Il faisait plein de cadeaux et tout, et voilà. Mais attends, mais Gertrude, elle avait 16 ans aussi, ta copine? Non, non, elle en avait 18. Comme elle avait le permis, voilà, nous avait emmené après le lycée chez ce monsieur, quoi. Wow. En mode... sympa, il va vous offrir des cadeaux aussi, mais j'en veux pas de ces cadeaux. Non mais elle est trop bizarre ta copine, vous avez fait quoi du coup? Bah alors, au début on s'est dit, bah c'est quoi, on reste pour l'apéro et puis on fera genre, donc avec ouais. une autre copine qui est de 16 ans, qui était un peu saine d'esprit aussi, mm-hmm. On se dit, c'est quoi, on prend l'apéro, on mange 3 cacahuètes, on raconte notre vie 2 minutes et puis on se casse, y va, quoi. On fait genre, on a une urgence, on se casse, quoi. Mais pas méchant, genre vraiment, oui. pas en mode, bah t'es chelou, on se casse, quoi, parce qu'on s'est dit, peut-être il est méchant, peut-être il est bizarre, on sait pas. Bien sûr, oui, ça me paraît presque safe. Voilà. Ok.
Donc, on donne pas trop d'infos sur nous. On veut pas qu'ils sachent où on habite, où on est, le lycée, enfin, le truc. Et au bout d'une petite heure, il lui dit « Oh, bah, si vous voulez, je vous fais visiter. » On dit « Tu sais quoi, on visite. » Après, on se dit, on en profitera qu'on sera debout et tout pour dire « Bon, bah, allez, nous, on a des gens qui nous attendent, notre famille, mais le truc, non, mais non, 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 non. Mais Gertrude, enfin, on va pas visiter, on va pas se retrouver seul dans une maison avec un monsieur de 50 non, ans. Mais après, bah, on était déjà dans la maison en soi, donc bon. Oui, enfin, dans le jardin. On était déjà dans le... Ah non, on visitait vraiment l'appartement, le truc, il faisait 50 mètres carrés, donc on s'est dit, dans 5 minutes, on est dehors, quoi. Okay. Et ensuite, on fait le tour, on va nous montre sa chambre. Alors déjà, beauf, à quel moment tu montes ta chambre à des gamines de 16 ans, mais bon, soit. La salle de bain, il avait mis des petites lumières rouges et tout dedans, en mode, bah si tu veux, un jour, venir prendre un bain avec moi, pas du tout. Donc là, on s'est dit, on avait peut-être un petit doute avant, voire un gros, maintenant, on est sûr qu'il est très bizarre, ce monsieur. On n'ira pas, vraiment, c'est un guet-apens, le truc. Et sauf qu'en fait, plus tard, bah, la copine de 18 ans, elle dit, oh, bah, on va faire un petit tour en voiture et tout, vous allez voir, il a une trop belle voiture et tout. Et nous, comme des peuteux, on est montés dans la voiture pour qu'il nous ramène au lycée, prendre notre bus et rentrer chez nous, quoi. Ouais. Et en fait, on a reparlé de cette histoire avec la deuxième copine pas bizarre. Ouais. Il y a quelques jours, là, elle me dit, mais oui, mais tu sais, en plus, j'ai vu dans le jour, enfin, je sais plus, c'était sur Internet ou dans le journal, il y a eu un article il y a quelques temps comme quoi, en fait, il avait été arrêté il y a quelques années, c'était il y a longtemps encore. Il avait été arrêté parce que le fait, il avait de l'argent, donc il partait dans d'autres pays acheter des voitures pour les revendre plus cher en France. Ouais. Ça, c'est illégal. Pour agression et ou viol, je ne sais plus trop, sur mineur. Alors, donc, on s'est dit, on était vraiment passé à un rien. Le seul truc qui colle pas dans ton histoire, c'est que s'il avait de l'argent, normalement, il ne vivait pas dans un 50 mètres carrés, tu vois. Mais sur tout le reste... Il en profitait justement pour acheter plein de voitures et qu'il attirait des gens. Enfin, ouais. Oui, après, s'il aimait bien sa petite tranquillité, bon, ça, après, il en fait encore ce qu'il veut, mais... Non, mais, ah, mais mon Dieu, ma Gertrude, t'as quel âge aujourd'hui? Là, j'en ai 27. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une jeune fille qui vivrait là, ou un jeune homme d'ailleurs, qui se retrouverait dans une même situation absolument malaisante et malsaine? Bah, ne suivez pas des gens si vous ne les connaissez pas plus que ça déjà. Parce que cette copine de 18 ans, c'est une copine de classe vite fait. Ou alors demander l'âge des gens avant. Je sais pas, mais. Ah ouais, non, mais c'est. De toute façon, déjà, on est rentré et on n'avait pas vu que c'était bizarre. Il faut suivre votre instinct vraiment. Quand il vous dit cassez-vous, même si vous connaissez pas la vraie histoire, cassez-vous. Ah ouais, non, c'est clair. Si tu le sens pas, faut partir. Et tu vois, c'est marrant parce que vous avez été retenu par quelque chose qu'on enseigne beaucoup aux jeunes filles et beaucoup moins aux jeunes hommes, par la politesse. Fallait être poli. C'est ça en fait. Vous voulez pas qu'ils s'énervent, vous voulez pas qu'ils. Fallait être poli au dépend de ta vie, quoi. Bizarre. Alors qu'en vrai, tu peux dire oh merde, putain, il y a ma mère qui m'appelle, je me casse, tu vois. Bah non. C'est ouf. Oui, parce qu'au pire, elle m'appelait discrètement sur mon téléphone et on faisait genre, enfin, il y avait toujours moyen de. Grave. Ouais, c'est j'ai un appel tout de suite, quoi. C'est donc, moralité, mes enfants, si vous allez chez quelqu'un que vous connaissez pas, vous demandez les âges. Et si vous sentez que ça pue, on se casse. On a toujours le droit d'inventer une excuse. Et même si c'est complètement cramé que c'est une excuse de merde, on préfère avoir une excuse de merde et pas se faire violer ou violenter ou que sais-je, plutôt que pas avoir utilisé l'excuse de merde, pas se faire cramer, mais se faire violer quand même. Donc, merci, ma Gertrude, pour cette histoire, qui pour le coup, effectivement, est très croustillante. Mais c'est croustillante drôle parce que tu t'en es bien sortie et qu'il s'est rien passé. Ça aurait pu être beaucoup plus triste. Bah, j'aurais pu finir au fond de sa cave, enfin, j'en sais rien, quoi. Ah donc, ouais, non, mais c'est clair. Non, mais parce que s'il avait été accusé de viol et d'agression sur mineur, je me dis, bah, j'aurais pu être. Ah bah oui, bah, t'aurais pu en faire partie, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Mais. C'est ça. Ah ouais, non, c'est vraiment un truc de ouf. Bah, écoute, merci pour ton histoire, ma Gertrude. Et bah, de rien. On te fait des gros bisous. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. À bientôt, Sylvie. Allez, pour celles et ceux qui veulent nous raconter vos histoires croustillantes, allez-y, envoyez-moi un petit popcorn par message privé. Et cette histoire me rappelle une de mes histoires. Donc, en attendant, je vais vous raconter une de mes histoires qui, pour le coup, est très, très croustillante. Alors, pour celles et ceux qui me suivent assidûment, vous l'avez peut-être entendu une fois ou deux, cette histoire. Mais je la re-raconte parce que vraiment, ça va un peu avec l'histoire. J'étais à la fac, en deuxième année, je crois. Et j'avais une copine qui voulait devenir mannequin. Enfin, on avait 19-20 ans, donc c'est un peu l'âge où, en vrai, tu peux vraiment te lancer dans le mannequinat, quoi. Et effectivement, bon, bah, elle était grande, elle était mince, enfin bref, ce qu'on demande à une mannequin, quoi. Donc, elle cherchait un peu des annonces, des trucs pour faire des shootings, etc. Et puis, elle voit, on habitait à Lyon, elle voit une annonce de casting pour mannequin.
Et donc, bah, elle appelle, elle dit, bah, enfin non, elle envoie un message, elle dit oui. Alors déjà, l'annonce, c'était sur Le Bon Coin, mais bon, c'était il y a 10 ans, donc ça va. Elle envoie un message, elle dit, bon, bah, bonjour, voilà, moi, je suis mannequin, nanana, elle envoie ses photos, et la meuf, elle est en mode, oui, oui, bon, bah, c'est super, et tout. À la fac, c'est déjà, mais ta gueule, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, c'est jamais trop tard pour suivre son rêve, oh, je te bannis, t'es trop négatif, toi, ban at, ouais, allez. Donc... C'est jamais trop tard pour poursuivre vos rêves. N'écoutez pas les gens frustrés du cul comme ça. Donc, elle envoie un message à cette adresse et puis la nana l'appelle. La nana l'appelle, je sais pas pourquoi, mais par le plus grand des hasards, j'étais avec elle. Donc, elle met en haut-parleur, etc. Et puis, bah ouais, c'était un peu le photographe de Dickeneck, effectivement, tu vois l'histoire venir. Donc, elle décroche, c'est une nana. C'est une nana qui l'appelle et qui dit bonjour, bon bah voilà, écoutez, nous, nos filles, sachez que on les respecte, nos filles, sachez qu'il y a eu des Miss France parmi nos filles, et nana. Quand elle parlait de ces mannequins, elle disait nos filles. Et moi, nos filles, je trouve que ça sonne un peu maquerelle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nos filles, t'es nos mannequins, les personnes avec lesquelles on travaille. Mais nos filles, je trouvais ça un peu bizarre. Déjà, mais bon, moi, tu sais, 20 piges, je calcule pas, je connecte pas les neurones. Et donc, nos filles, nos filles, nos filles. Et elle dit oui, et puis alors, nous, vous inquiétez pas, nous, l'anonymat est préservé. Nos filles ne savent pas entre elles comment elles s'appellent. C'est justement là qu'elle avait donné l'exemple de soi-disant une Miss France qui avait travaillé avec elle, en mode, non, mais elles ne savent pas comment elles s'appellent, elles ont des pseudos. Et tu sais, je me disais, mais... Tiens, mais pourquoi il y a besoin de pseudo pour du mannequinat, nanana et tout. Et pareil, je connecte pas les neurones, quoi, comme une con. Et donc, elle dit, ok, bon, bah, on se rejoint demain et tout, nanana. Et donc, ma copse, elle me dit, écoute, Nad, tu veux bien venir avec moi quand même, parce que c'est à Oullins. Pour celles et ceux qui connaissent pas, Oullins, c'est un peu le Montreuil de Paris, quoi. C'est sacré gnos un peu à Oullins. C'est pas le 16e arrondissement de Paris, quoi. Donc, elle me dit, tu peux m'accompagner à Oullins pour aller à ce casting. Je dis, bon, ok, d'accord. Et alors, à l'époque, est-ce que j'avais déjà ma chaîne YouTube ou pas? Je sais pas, je connaissais pas encore trop ce milieu. Mais moi j'ai repris mes études, je vais retourner à la fac, j'ai 26 piges. Donc voilà, exactement. Je l'accompagne à Oullins, on arrive à l'adresse. Et tu sais, moi je m'attendais, comme c'était une agence de mannequins, je m'attendais à un pignon sur rue, enfin quelque chose. Tu sais, minimum. Oui, Oullins dans le 69. Et du coup, on voit un immeuble. Mais tu sais, pas un immeuble un peu chicose. Un immeuble, franchement... T'as pas envie de rentrer dedans, t'as pas envie de vivre dedans, tu vois. Donc vraiment, mais la porte, elle était un peu pérave. Et donc, c'est là. Et donc, on appelle parce qu'on se dit, bah merde, peut-être qu'on a la mauvaise adresse. Elle dit, oui, c'est bien là, troisième étage. Là, je dis, ok, ça commence un peu à puer, mais bon, bah on entre, tu vois. Donc là, vraiment, je commence à me dire, c'est pas ce qu'elle espérait. Mais juste à ce moment-là, tu sais, moi, il faut du temps pour capter. Encore une fois, j'avais 20 piges. Et on monte les trois étages, et pareil, t'es la cage d'escalier, c'est un peu lugubre, c'est sale. Enfin, c'est pas une agence de mannequin, quoi. Et là, on arrive dans l'appartement. Donc, on se retrouve seul avec cette femme. Et je vous rappelle, juste pour le contexte, je vous rappelle que je suis un bisounours de premier étage. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je savais pas ce que c'était le BDSM, les trucs à la con. Enfin, à la con, pas du tout à la con d'ailleurs, mais. Enfin, moi, c'était. J'avais aucune conscience de ce qui existait, des fétichismes, des trucs, des machins. Vraiment, je savais pas que ça existait, quoi. Et donc, je n'ai pas du tout tilté quand, en entrant dans l'appartement, j'ai vu plein de photos de pieds. Je n'ai pas capté du tout. C'est-à-dire que l'appart, en plus, pareil, il était un peu crado, présentable, hein, mais tu sais, ça faisait pas agence de mannequin, quoi. Et en fait, il y avait des photos de pieds, de talons, qui écrasaient des pieds, des visages ou autre chose, comme ça. Alors, c'était des photos qui, en soi, étaient jolies, hein, mais voilà. Donc, en fait, j'ai pas du tout capté que c'était une agence de mannequin fétichiste des pieds. Et du coup, elle commençait à nous dire, oui, et puis donc voilà, parfois aussi on fait des vidéos, nanana, mais vous inquiétez pas, le OnlyFans de l'époque exactement, mais vous inquiétez pas, on montre jamais les visages de nos filles, et nanana, et tout. Et alors là, on s'est comprise. On a compris qu'il y avait un délire autour des pieds. Encore une fois, je ne connaissais pas le fétichisme des pieds à l'époque. Et c'est là que, pour le coup, je te rejoins, Orangette 28, c'est malsain,
parce que elle aurait précisé tout de suite, bon bah voilà, nous on fait des photos de pieds pour les fétichistes, etc. Pareil, elle nous racontait qu'elle vendait ses photos au Japon, blablabla, et je veux bien le croire, parce que les Japonais sont les premiers consommateurs de porno et toutes ces choses-là. Mais tu sais, à aucun moment elle nous a dit, bah voilà, c'est vraiment des photos de pieds destinées à une clientèle qui va se branler dessus, quoi. Enfin, t'es juste, dis les choses. À aucun moment, elle a parlé de fétichisme, à aucun moment, elle a parlé de pornographie, à aucun moment, elle a parlé de tout ça. C'était toujours des phrases chaloupées, etc. Et du coup, là, quand on s'est retrouvé seul avec cette femme dans cet appartement, entouré de toutes ces photos de fétichistes de pieds, on s'est dit, on n'est pas au bon endroit. En soi, elle nous a forcé à rien du tout, elle est restée très respectueuse, etc. Mais t'es... Tu sais que t'es pas au bon endroit, tu sais que c'est pas du tout ce que t'as envie de faire, etc. Donc voilà, on a terminé poliment cet entretien, on est parti, et voilà. Parce qu'en soi, encore une fois, aujourd'hui, moi je dirais, mais grave, vas-y, prends mes pieds en photo, vas-y, c'est combien, 500 balles la photo, mais oui, balance. Évidemment, mais t'es à 20 piges, enfin juste, t'es dans un autre mindset potentiellement. Ma soeur a fait ça, elle a postulé pour un shooting en maillot de bain à Paris. Mes parents étaient dépités, mon père a fini par aller avec elle. Ils se sont retrouvés au milieu d'un entrepôt éclair glauque. Ils avaient à peine un appareil photo. Oh mon Dieu. Mais tu sais, Lucille de Ronsard, moi aussi, mais il n'y a pas longtemps, on a essayé de m'avoir comme ça. Parce que, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais je suis comédienne, donc je cherche... Enfin, je suis tout le temps sur les annonces de casting, j'envoie mes CV, etc. Enfin bref, je cherche à faire changer mon destin. Je me donne les moyens de mes ambitions. Et puis, je sais plus, la dernière fois, ils cherchaient... je vois une annonce, recherche modèle photo pour une grande marque de fringues. Et ils cherchaient à peu près mon profil. Genre, tu sais, ils cherchaient pas une taille 34, quoi. Donc, j'ai envoyé. Et puis là, ils me disent, ah, trop cool, félicitations, vous êtes prise, nanana et tout. Envoyez-nous votre carte d'identité. Une photo de vous qui tient votre carte d'identité. Et là, je fais... Donc, tu sais, j'envoie un message parce que pour le coup, heureusement, moi, je suis habituée aux prods, etc. Et je dis, hop, attendez. Donc, je réponds, je dis, écoutez, super, avec plaisir pour se rencontrer. En revanche, pour la carte d'identité, je verrai ça avec la prod. Tu sais, je chaloupe un petit peu. Pas de réponse. Je reçois le même mail. Bonjour, super, vous êtes prise. Bon, bah voilà, envoyez-nous une photo de vous qui tenez votre carte d'identité, etc. Et en fait, bon, j'ai plus répondu parce que j'ai bien compris que c'était... pour ça, pour la petite info, je vous donne le tips. Hein. Pourquoi ils vous demandent une photo de vous qui tient votre carte d'identité et pourquoi il ne faut surtout jamais envoyer ça? C'est parce qu'une photo de toi qui tient ta carte d'identité, c'est le ticket vers la meilleure usurpation d'identité. Avec une photo de toi qui tient ta carte d'identité, ils peuvent envoyer à Airbnb, ils peuvent envoyer aux banques, aux trucs, aux machins pour usurper ton identité. Et alors là, t'es mort. Ils usurpent ton identité pour tout et n'importe quoi et t'es complètement dead. Pour valider un compte OF... Ah, putain, mais oui, pareil, effectivement, un compte OnlyFans. Putain, mais t'as trop raison, c'était sans doute pour ça, pour faire un compte OnlyFans. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai jamais validé mon compte OnlyFans. Vous savez, un moment, on rigolait, je disais, haha, je vais faire un compte Utile Fit. En vrai, encore une fois, hein, moi, j'ai pas de problème à faire des photos de mes pieds pour gagner 500 balles. Hein. Vraiment, hein. Mais je sais pas pourquoi ça m'a bloqué. J'avais pas envie d'envoyer une photo de moi qui tient ma carte d'identité à OnlyFans. Donc je l'ai pas fait. Mais oui, t'as trop raison, ils demandent de faire ça, effectivement. J'ai fait un shooting avec un photographe un peu connu, ça a été très malaisant. Ah bon, pourquoi? Il me draguait et sa femme était dans la pièce d'à côté. Il était très tactile, il remettait mes cheveux en place. Ah, oh là là, quel enfer. C'est un peu triste que les rendez-vous pros soient galères pour les femmes. On en parlait avec mon mari, aujourd'hui j'ai plein de rendez-vous avec des hommes et je suis jamais rassurée, alors que lui n'a jamais souci. Ah ouais, non mais moi c'est pareil. Combien de fois je suis passée à côté d'opportunités intéressantes parce que je voulais pas me retrouver seule avec un homme. Ah mais complètement, je suis tout à fait d'accord. Surtout dans ces milieux artistiques. Mais bon, heureusement Fanny Ardant est là pour rappeler que les victimes qui parlent, ce sont juste des balances. Quand je pense que j'adorais cette actrice, mon Dieu, je lui gerbe à la gueule aujourd'hui. Sur OnlyFans, maintenant, c'est un scan 3D depuis ton tel, mais sur Mime, il n'y a que la photo de la CNI plus selfie. Alors, pardon. White Surfer, t'as l'air de t'y connaître. C'est quoi la différence entre OnlyFans et Mime? Pour moi, c'était la même chose. Je croyais juste que OnlyFans, c'était l'appellation française et Mime, l'appellation anglaise. C'est deux sites différents. Genre, c'est comme TikTok et Instagram. Parce que moi, je pensais vraiment que c'était la même chose, quoi. C'est comme si tu disais Facebook et FB, genre. Je suis trop rassurée de savoir que je suis pas seule. J'en annule tellement parce que ça me stresse, je pensais que j'étais seule. Ah non, Lucille de Ronsard, tu rigoles. Pour te dire, moi, une fois, j'avais passé un casting de théâtre, mais c'était il y a des années. J'avais passé un casting de théâtre et j'avais jamais fait de théâtre en pro à l'époque.
Et le mec me dit, écoute, t'es vraiment super, mais là, j'ai pas assez de temps et il y a trop de taf. Donc, je vais pas te prendre, mais viens, on va boire un café. Et je vous parle vraiment d'un ponte du théâtre. Enfin, un mec qui pèse de ouf, quoi. Mais qui est aussi connu pour être très, très, très sulfureux. Et donc, moi, je vous parle de ça, c'était il y a quelques années. Je pense que c'était il y a facile 6 ans. Donc, à l'époque, j'ai 26 ans. Beaucoup moins de confiance en moi, beaucoup moins de clés pour pouvoir poser les limites si jamais quelqu'un a un comportement que je ne souhaite pas voir, type une main sur la cuisse, etc. Et du coup, j'en avais discuté avec un pote qui le connaissait. Je lui avais dit, ouais, tu connais ce mec? Et un peu, mon pote qui me dit, ah, bah ouais, je le connais, je l'ai croisé au club échangiste. En soi, pas de problème. Mais la réputation sulfureuse, plus ceci, plus cela, plus cela, plus cela. Je m'étais dit, non, je le sens pas. Et ce mec-là, du coup, qui avait insisté en mode, bah viens, on va boire un verre. Je lui ai dit, coucou, bah ouais, ok, carrément, on peut aller se boire un café demain matin. Ah non, moi, le matin, je peux pas, je dors. Ok, bah je sais pas, vers 16h, ouais, non, puis le café, j'aime pas trop ça, plutôt 19h30, non. Et là, j'ai dit, ok. En fait, j'ai sans doute loupé des grosses opportunités professionnelles, parce que ce mec-là, vraiment, encore une fois, il peut t'emmener loin, mais c'était plus important pour moi de garder ma santé mentale, de pas me retrouver dans une situation que j'aurais pas maîtrisée, plutôt que d'avoir un rôle. Ça me faisait trop peur. Le café, meilleur appât à pervers. Non mais grave. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous regardent et qui se retrouveraient dans une situation comme ça où la personne qui t'invite à boire un verre, t'es pas trop sûr si c'est pour te ken ou si c'est vraiment pour du pro, tu dis toujours la même chose. Hello, bah ouais, carrément, si tu veux, on peut se faire un petit café. Je sais pas, 10h, ça te va, 10-11h. Voilà. Parce que le café, ça va jusqu'à 16h. Après, tu vas boire un verre. Boire un verre, ça veut dire alcool, ça veut dire éventuellement terminer tard, etc. C'est plus sulfureux. Proposer un café, là au moins, il n'y a pas de doute. Tu vois, t'es pro. Tu as bien fait de ne pas aller te faire couler le café avec lui. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Mais pareil, enfin... Je vous assure que toutes ces histoires de MeToo, ça doit vraiment être vrai de vrai, parce que moi, pour le coup, dans ma petite carrière télévisuelle, je me suis déjà pris des grosses mains et bien placées, hein. Donc je suis pas surprise, que les autres qui aient des carrières plus importantes face à des hommes encore plus importants, enfin en termes de pouvoir, se retrouvent dans ce genre de situation parce qu'ils n'hésitent pas. Hein. Ils n'hésitent pas, c'est gros dégueulasse. Ils n'hésitent pas. Je vous jure. Il y a des contraires. Hein. Le premier, hein. Bonjour. J'ai ça cet après-midi. Un ami qui m'attend devant. Je vais encore plus flipper avec toute cette discussion et si ça tombe mal. Non, il faut pas, Lucille de Ronsard. Il faut pas que tu flippes. Déjà, rappelle-toi que tu es dans un domaine, un endroit public. Et rappelle-toi toujours que si typiquement, si quelqu'un a une remarque qui te fait pas rire ou quoi que ce soit, tu peux ne pas rire. Tu peux dire... Comment? J'ai pas compris. Tu sais, tu fais la con, genre... Imagine, il fait une blague de cul ou quoi que ce soit. Quoi? Ah! Ah! Non, c'est juste que moi, ça me met un peu mal à l'aise, ce genre de blague. Et voilà! Hésite pas, hein! Hésite pas! Tu as le droit! Et alors, si jamais c'est carrément du tactile... Excuse-moi, tu fais quoi, là? Mais vraiment, hein, n'hésite pas. Excuse-moi, tu fais quoi? Pourquoi ta main est sur ma cuisse? Excuse-moi, tu peux enlever ta main de mon épaule? Parce que... Ah oui, non, yop, il n'y a pas de problème, c'est juste j'aime pas trop qu'on me touche. Enfin, on se connaît pas trop, quoi. Mais n'hésite pas, impose-toi. Parce que de toute façon, le mec qui va mettre une main sur ta cuisse, une main sur ton épaule, qui va te faire des blagues de cul, etc., dans tous les cas, c'est pas un mec avec qui tu vas vouloir bosser. Donc impose-toi. Impose-toi. Vraiment. C'est un peu le révélateur des affreux en ce moment. Il y a probablement pas mal de monde qui à son moment, Bertrand Cantat, les idoles qui sont en fait des tortures et la fin des illusions. Ouais. Oui, il ne faut pas hésiter à mettre des stops. Tu parlais de Fanny Ardant. Ouais, bah Fanny Ardant, pardon, mais enfin, elle a un grain. Hein. Tu te rends compte, elle a fait la une de je sais plus quel journal en disant qu'elle soutient Polanski, que vraiment c'est son grand ami, et elle soutient que les personnes, notamment les femmes, qui ont dénoncé les hommes qui les ont violés, agressés sexuellement, c'est des balances. Complètement à l'ouest, la meuf. Complètement à l'ouest. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour parler de vos histoires croustillantes, parce que l'air de rien, moi je papote, je vous raconte ma life. Pour celles et ceux qui ont des histoires croustillantes, allez-y, envoyez-moi un petit popcorn par message privé sur mon Discord, et puis moi je vous appelle. Ça peut aller dans le sujet duquel on discutait, mais ça peut aussi aller dans tout autre sujet, donc n'hésitez pas. Le pire, c'est qu'elle presse. La presse lui donne la première de couve. Non mais à fond, après c'est un journal d'extrême droite, je crois. J'ai vu ça sur ce fameux compte que j'adore, là, Over the Rainbow. Vous savez, je vous en parle souvent. Je la trouve super, cette fille. Enfin, moi, en tout cas, elle m'apprend plein de choses, donc je vous invite à suivre ce compte.
J'ai pas les mots pour ce genre de personne, tellement c'est révoltant. Je suis complètement d'accord. Ah, ça fait vendre aussi. Ah bah oui, tu m'étonnes, ça fait vendre. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. On téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude. En attendant, les autres, envoyez-moi un petit popcorn parce que j'ai plus personne d'avance. Hein. Téléphone à Gertrude, la pauvre. Elle m'a envoyé un message. Oh, pas de caps lock. Non, ça ne se fait pas. Allô, Gertrude, Gertrude, il y a le téléphone qui sonne, mais personne ne répond. Tou-dou-dou-dou-dou-dou. Bon, en attendant que Gertrude, elle décroche, est-ce que les autres, vous m'enverriez pas un petit popcorn par message privé pour venir nous raconter des histoires? Oh, mais je connais très bien Capu. Je fais une vidéo avec elle prochainement pour le sport des personnes handicapées. Ah, mais trop drôle! Bah voilà, bah écoute, tu pourras lui dire que je parle régulièrement d'elle dans mes lives. J'adore ce qu'elle fait. J'adore. Vraiment, elle est extraordinaire, cette jeune femme. Ah, cette personne est en train d'écrire, je pense qu'on va passer à côté. Ça va être un truc... Je me suis trompée, c'est pas très croustillant. Il y a Nadia qui t'appelle, Oui, allez, qui est-ce qui m'envoie un petit popcorn du coup? Parce que bah, on se retrouve Keblo là. Venez nous raconter vos histoires de fois où vous êtes fait mettre des mains sur la cuisse et que vous étiez pas consentant ou consentante, hein, si vous voulez. Moi, je trouve ça très croustillant et puis en plus, bah, c'est le sujet d'aujourd'hui. Allez-y, ou si ça n'a rien à voir aussi, tu peux venir me raconter la fois où t'as trouvé ton mec ou ta meuf dans le lit avec quelqu'un d'autre, quand tu t'es fait tromper, quand tu t'es fait trahir par ton meilleur ami, par quelqu'un, je sais rien. Viens nous raconter tes histoires. Si seulement j'avais de la croustillante. Alors, généralement, tu sais, les histoires croustillantes, c'est pas très très fun, hein. Souvent, plus c'est croustillant, plus t'as douillé dans l'histoire, non? Donc, en vrai, est-ce qu'on aimerait vraiment vivre de la croustillance? Je ne sais pas. À qui on va téléphoner? Je pensais que c'était un demande à Nad. Alors, demande à Nad, c'était il y a longtemps. Donc là, on est quand même sur quelqu'un qui regardait il y a longtemps. Non, c'est pas un demande à Nad. Il faut du storytelling et tout est croustillant. Non, mais à fond, je suis tout à fait d'accord. Avec un peu de storytelling, l'histoire devient forcément croustillante. Ça se voit que je suis fatiguée quand même. Hein. On sent le... Moi, j'ai du croustillant. Eh ben, envoie-moi un petit popcorn par message privé, Billy Merlich. Envoie. Les gens lisent jamais le bandeau en haut à droite. C'est vrai que, je sais pas si vous remarquez, mais de façon absolument assidue, je mets toujours un petit message ici pour dire le sujet. Hein. Histoire croustillante, histoire de cul, problème d'amour, d'amitié, etc. Je le mets toujours. Mais c'est vrai, les gens ne regardent pas. C'est surprenant. Comment ça se fait que vous ne regardiez pas? Est-ce qu'il faut que je le mette en jaune fluo? Il faut peut-être l'épingler au chat. J'ai fait hier aussi, tu m'as pas appelé. Ouin, ouin. Oh, toi, tu me saoules. Tu sais quoi, je te banne. Et je me souviens, hier déjà, tu m'as saoulé. Atbi. Voilà. Eh ben, tant pis pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'aime pas les gens qui pleurnichent, voilà. Parce qu'on te regarde, toi. Bah oui, mais regardez, c'est juste là. Bon, mais bref, vu que c'est à côté du chat qui est rempli de messages superflus. Ok, très bien. Allez, on téléphone à quelqu'un d'autre. C'est un update. J'étais là jeudi dernier. C'est une fille dans ma classe et mon foyer passe sa vie à m'embêter. Quoi que je fasse, elle me laisse pas tranquille. Alors, on téléphone à Gertrude. Oui, je me souviens, Bichette. C'est une fille qui l'embêtait tout le temps. Sur téléphone, c'est trop petit pour moi, en tout cas. Ah, d'accord. Vous avez quand même le titre du live aussi, non? On téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude. Allô? Et pour celles et ceux qui ont vécu des histoires comme ce que je viens de vous raconter là, envoyez-moi aussi un popcorn, hein. J'aimerais bien qu'on discute de ça là, de comment vous êtes retrouvés dans des situations où des hommes ou des femmes, même s'il y en a moins, mais il y en a quand même, vous ont un peu joué avec les limites comme ça. Allô? Allô? Salut Gertrude, comment ça va? Je vais bien et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Tu lagues un peu, mais je t'entends, ça va. Je lague un peu. Elle a osé. Alors, vas-y, on t'écoute, raconte-nous de quoi tu veux nous parler. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la semaine dernière, il y avait une fille... j'ai parlé d'une fille et de ses copains qui m'embêtaient. Ouais. Et du coup, suite à ce live, j'ai décidé de me bouger parce que j'en avais marre. Ouais. Donc, je suis revenue voir la CPE et puis j'ai dit que ça vraiment, s'il n'y avait rien qui continuait, si ça continuait à rester comme ça, ouais. Que j'allais aller déposer une main courante. Ouais. Donc, ils ont dit que non, ils ne voulaient pas que j'aille déposer de main courante parce que
Bah, ils veulent pas de vagues. Ouais, bien sûr. Personne veut de vagues, hein. T'es victime de quelque chose, ils veulent surtout pas t'aider, par contre, ils veulent pas de vagues. Non, mais t'es, c'est trop facile, quoi. Et alors, ils ont fait quelque chose? Bah, ils ont décidé de déjà bah, de l'exclure pendant une semaine de l'établissement. C'était donc ça, il fallait faire des menaces pour qu'ils bougent leur putain de gros cul. Bah, c'est-à-dire qu'ils sont... Bah, j'ai pas plein de mains, mes mains courantes, parce que je sais qu'on peut les retirer, les mains courantes, et que les plaintes, bah, du coup, c'est posé, on peut pas les retirer. Mais ils ont décidé, du coup, de faire un conseil, et à la suite de ce conseil, ils l'ont exclu une semaine. Super. Et ils ont dit que si elle réfléchissait pas, bah, qu'ils allaient la transférer à l'établissement. Attends, mais Gertrude, c'est super, c'est une énorme victoire, là. Ouais, ça m'a soulagée de savoir que déjà, pendant une semaine, je pourrais souffler, qu'il y aurait ni elle ni ses potes, quoi. Non, mais grave, non, mais attends, mais c'est génial. Donc, il suffisait de faire peur à la CPE, en fait. Il faut faire peur à la CPE pour qu'elle fasse son boulot. C'est ça, en fait, la morale de l'histoire. Ouais, mais c'est ça qui me choque, en fait. Ah ouais, complètement. Je sais pas si... pour faire un peu de prévention par rapport à ça... Si on se souvient de la jeune lycée, l'INSEE qui s'était suicidée, elle avait demandé de l'aide de partout, personne ne l'a aidée. Ben, je pense que si elle avait peut-être menacé de déposer une main courante, peut-être que ça l'aurait sauvée, je pense. Ouais. C'est malheureux. Non, mais tu sais quoi, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que, en fait, c'est même pas une menace de toute façon. Enfin, il faut le faire et. Enfin, t'as le droit de le faire, mais je pense que. C'est vraiment bien que tu sois allé voir la CPE et que tu lui aies dit ça, parce qu'effectivement, pour une raison que j'ignore, ils veulent surtout pas de vagues. Donc pourquoi? Sans doute parce qu'ils peuvent avoir, j'en sais rien, des malus, des trucs comme ça. Mais bravo et merci. De quoi? C'est les inspections du travail pour qui veulent pas avoir le rectorat au cul sur eux, quoi. Donc allez-y, mes enfants. Allez-y, mes enfants. Dites, moi je vais aller poser une main courante parce que vous faites rien. Faites-le, faites comme Gertrude, parce que Gertrude au moins elle a eu gain de cause. Donc bravo ma Gertrude, mais attends, c'est trop bien. Et alors, on te fout un peu la paix là ou pas? Bah là, ils sont pas venus me voir ni hier ni aujourd'hui. Trop bien, super. Donc j'étais tranquille, j'ai pu faire ma journée tranquillement. Je suis contente parce que ça fait du bien en fait. C'est juste une charge mentale en moins. En plus, j'avais des oraux. Ouais. Récent à passer, donc ça fait du bien. Trop bien, trop cool. Bah écoute, je suis très contente pour toi, bravo. Bravo d'être allée au bout, d'avoir fait valoir ton droit. Putain, mais. Et cette CPE là, mais elle mérite. Elle... Ah, ça m'énerve. Mais bravo, ma Gertrude, et merci pour le tips pour tous celles et ceux qui savent pas quoi faire. Et bien, de toute évidence, c'est ça qu'il faut faire. Menacer d'aller porter plainte. Et si la CPE fait toujours rien, allez-y, allez porter plainte. Elle aura le rectorat au cul et ce sera bien fait pour sa gueule. Merci, ma Gertrude, pour ton update. Et courage à toi et lâche rien, ok? Okay. On te fait des gros bisous. Bonne journée à tous. Merci, voilà. À bientôt. Ciao. À bientôt. Sacré Gertrude. Non, mais c'est ouf, quoi. C'est ouf que la meuf... Tu sais, je sais pas, t'es CPE, il faut quand même un peu aimer ton boulot, il faut quand même un peu aider les gens, quoi. Un peu aimer, aider les gens. Il y a une gamine qui vient te voir et qui te dit « Je n'en peux plus, je suis harcelée. » On le sait maintenant que c'est grave, le harcèlement. Enfin... Putain, c'est ouf, c'est ouf. Allez, pour celles et ceux qui ont des histoires croustillantes, il n'y a que quand on touche au salaire que les gens bougent. Ouais, non, mais ça, c'est terrible, c'est terrible. Je suis dans le médico-social et ce genre de situation, on les rencontre tous les jours. Et je parle pas des juges pour enfants totalement dépassés par le nombre de dossiers qui expédient les mômes, histoire d'être rentable. Je pense pas que les juges soient payés à l'affaire Mephisto 929. Là, pour le coup, je pense que tu extrapoles un peu. Alors oui, on s'insurge, etc., mais dire de la merde, ça sert à rien. Les juges sont pas payés au nombre de cas. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, je pense. Oui, je pense que là, tu... Mais pour le coup, cette histoire de CPE, c'est complètement honteux. Ah ouais, c'est vraiment hallucinant. Elle est allée la voir plusieurs fois, elle a rien fait. Elle dit, bon, bah du coup, j'ai porté plainte. Ah non, 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 pas de vague. Pas de vague, mon Dieu. Oh là là, mais crocs dégueulasses. Oh là là. Oh, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en demandant au juge d'être clément. Du coup, plainte classée sans suite. Ce qui vaut une suppression de plainte. Ah, c'est ouf. Bon, allez, pour celles et ceux qui veulent participer, nous raconter votre histoire croustillante, ça peut être votre pire rupture, ou la rupture la plus gênante du monde, ou ça peut être une trahison, ça peut être si tu t'es fait tromper, si t'as trompé, si tu t'es fait prendre ce que tu veux. Allez-y. T'as pas compris son message? Ah bah moi je peux te dire, j'ai bien compris, c'était dégueulasse. Allez-y, mes enfants. Quand il y a des problèmes de harcèlement, etc., il y a des signalements et les établissements où il y a beaucoup de signalements, apparemment, les profs ne peuvent plus être mutés ailleurs. J'ai vu ça dans l'émission d'Élise Lucet.
Comment ça, ils peuvent plus être mutés ailleurs? Quel rapport? Je veux pas prendre la défense de la CPE. Alors, si tu commences la phrase comme ça, c'est que tu vas la prendre, la défense de la CPE. C'est pas un boulot facile et des histoires fake, elle en a masse. Ouais, mais non, je suis désolée. S'il a fallu qu'elle ait peur des vagues pour bouger son cul, c'est... Enfin, si, elle a... C'est pas une histoire fake. C'est pas une histoire fake. Je suis déjà passée aujourd'hui, mais j'ai tellement d'histoires improbables. J'y serais pas. S'ils sont dépassés, ils doivent traiter des dossiers vite fait sans avoir vraiment le temps de jeter un œil dessus. Ok, bon, si tu veux. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Pour celles et ceux qui veulent participer, vous m'envoyez un petit cœur par message privé. Vous m'envoyez une petite pêche par message privé. Une petite pêche par message privé. On téléphone à Alphonse. Allô? Salut. Salut Alphonse, comment ça va? Tu m'entends? Je t'entends. Ouais, super. Alors, on t'écoute, raconte-nous. Quelle est ton histoire croustillante? Alors, elle est un peu vieille. J'étais jeune, j'avais 16 ans et j'étais en soirée avec mon meilleur pote et deux meufs. Une que je connaissais, qui, je pense, avait des vues sur moi, et une autre que je connaissais pas. Ok. On a tous 16 ans. On commence à boire des bières sur le quai, à ne pas boire d'alcool, c'est mal. Surtout quand on est mineur. Et la fille que je connais pas me raconte instantanément ses histoires de cul de l'été dernier. Oh là là, alors excuse-moi, je me pose sur ton histoire. C'est vrai que quelqu'un qui a envie d'entendre tes histoires de cul, c'est ok de les raconter, mais quelqu'un qui n'a pas envie, enfin, les enfants, ne racontez pas vos histoires de cul si la personne en face n'est pas consentante, quoi. C'est gênant. Donc voilà, merci, je te laisse continuer, mon Alphonse. C'est très gênant, surtout qu'elle était plus jeune que moi, donc moi j'étais beaucoup moins à l'aise avec le sexe qu'elle, apparemment. D'accord. Et après, on continue la soirée, on va chez la copine de mon pote, du coup, celle qui est sympa. Ouais. On continue de boire des bières et elle commence à être de plus en plus insistante pour me draguer, en fait. Oh. Et jusqu'à me dire, à un moment, j'ai envie de te mordre les couilles, au milieu d'une conversation tout à fait normale. Donc, il y a deux autres personnes autour. Après un long silence, ça rigole. Ouais, parce que c'est mais gênant. Mais elle ne rigole pas. Elle me fixe intensément, quoi. Mais attends, donc, mais c'est une psychopathe, c'est... la meuf Mais oui, elle est plus jeune que moi, donc c'est et puis alors, en plus, étrange. Attends, excuse-moi, mais arrête-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a des phrases un peu sexy que tu peux dire à un mec, mais j'ai envie de te mordre les couilles, ça évoque pas du plaisir ou de la sensualité, non? Ah non, moi je vois ça comme une agression et rien d'autre. Ben et, ouais. Et cette fille, du coup, après, la soirée continue... Et elle se rapproche physiquement de moi, donc je m'éloigne, je vais sur le canapé, je lui dis « mais s'il te plaît, arrête, j'ai une copine et tout, je m'en fous de toi ». Mes potes continuent de parler entre eux, ouais. Comme si de rien n'était un peu, ce qui est assez gênant. Et elle continue jusqu'à me mordre et essayer de me mordre les couilles du coup, et je la retiens avec mes mains et elle me mord le bras vraiment assez fort, quoi. Mais c'est une psychopathe, la meuf. Ouais. Attends, mais c'est une énorme psychopathe. Et on n'est pas seul dans la pièce. Et moi, je veux pas frapper cette personne, mais je suis sidéré un peu. Et... Bah attends, mais c'est littéralement une agression. Enfin, déjà, le fait de te dire des phrases comme ça, t'as mis dans ton message en privé, c'est du harcèlement sexuel, c'est la vérité. Si tu lui dis plusieurs fois, écoute, laisse-moi tranquille et qu'elle insiste, c'est ce qu'on appelle du harcèlement sexuel. Et là, en plus, elle touche à ton intégrité physique, c'est ultra grave ce qu'elle t'a fait. Ouais. Et tes potes, ils disaient rien, genre ils rigolaient, ça les faisait marrer. Ouais, je sais pas comment... C'était mon meilleur pote, et au bout d'un moment, ils lui disent qu'elle est relou et qu'il faut qu'elle arrête. Ouais. Genre quand elle me mord et que vraiment, je commence à péter mon câble et à gueuler un peu fort. Mmh. Et ok, elle arrête. Elle dit... Et là, bon, bref, la soirée, ça s'arrête, mais on dort ici. Donc moi, j'ai prévu de dormir avec mon meilleur pote, pas de problème. Ouais. Je dis que je dors dans le canapé, du coup, elle me dit « Ah, bah moi aussi, du coup. » « Non, non, bah je vais dormir dans l'autre pièce, alors. » Elle me dit « Ah, bah moi aussi, du coup. » Bon, donc je vais me coucher au même endroit que mon meilleur pote, en bar. Et la meuf, dans la nuit, continue de passer, nous voir, des choses comme ça. Du coup, je fais un massage à mon meilleur pote pour essayer de faire passer un message. Il n'y a vraiment aucune chance. Je préfère masser mon meilleur pote que passer une soirée avec toi. J'en sais rien. Ouais. Quel était mon ressenti, mais très étrange. Putain, c'est ouf. C'est complètement ouf, cette histoire. Et moi, le fait qu'elle soit plus jeune que moi, elle n'avait même pas la majorité sexuelle, techniquement. Ouais.
Je trouve que ça rendait le côté encore plus difficile de se défendre. Qu'elle était mineure, qu'elle. Bah, t'étais Parce que mineur c'est aussi en soi, légal, donc ça. enfin, vous étiez quand même dans la même cour, tu vois. Non, moi, ce que je trouve très gênant, c'est qu'elle n'ait aucune conscience du consentement, non-consentement de l'autre. Parce qu'en soi, que tu fasses du rentre-dedans à quelqu'un, moi, c'est une technique de drague que je suggère très souvent, parce que ça fonctionne très très bien. Mais enfin, faire du rentre-dedans et agresser quelqu'un sexuellement, c'est pas la même chose, quoi. Là, te dire des trucs comme ça. Déjà, te raconter ces histoires de cul alors que t'as pas spécialement envie de ça, c'est pas ok. C'est pas ok. Mais bon, ça, socialement parlant, pour l'instant, c'est encore accepté, admettons. Mais ensuite, qu'elle te dise qu'elle a envie de te mordre les couilles, qu'elle cherche vraiment à te mordre physiquement, etc. C'est une agression physique au-delà d'être une agression sexuelle. Enfin, c'est chaud, c'est littéralement du harcèlement. T'as été harcelée par cette meuf toute la soirée. Et il y a une question que je me pose du coup, sans jamais mettre en cause le fait que tu es victime. Mais pourquoi t'es pas partie de cette soirée si tu n'arrivais pas à te défaire de cette nana? Bonne question. Je sais pas, parce que j'avais prévu de rester là, j'avais dit à ma mère Ouais. que je dormais ailleurs, j'étais petit, Je du coup, comprends. Non mais je comprends, je comprends. il était C'est. tard, je sais Et puis pas. t'avais peut-être aussi l'espoir qu'elle se calme en fait, non? Ouais, bah, pour moi, la situation était tellement anormale, enfin, j'avais jamais vécu ça, Ouais. que. Ouais, tu t'es dit, elle va me lâcher la grappe, quoi. Ouais, et Alors puis que pas sinon, du quand tout. je parlais avec les deux autres, moi, ma soirée était cool, quoi, mais c'est juste elle qui était folle dingue. Ouais, c'est un truc de ouf. Et ça t'a mindfuck un peu par rapport aux meufs ou franchement ça va? Bah, j'avais déjà ma copine et tout ça, donc non, je savais que c'était. Je suis juste tombé sur une folle dingue. Ok. Mais. Et t'en Donc. as reparlé après avec tes potes en leur disant franchement les gars, mais enfin elle a un problème cette meuf, enfin vous m'avez même pas aidé. Bah, pas trop avec mon pote, mais je pense que je lui en reparlerai, même si je pense que ça m'a pas trop affecté. J'ai eu d'autres. J'ai eu du harcèlement sexuel par des hommes aussi plus tard et tout ça, donc. Putain, c'est Je ouf. sais. Ouais. Mais enfin, c'est aussi bah, le harcèlement sexuel, ça peut arriver à tout le monde, aux hommes aussi. Et Bien le sûr. côté inaction, je pense que si j'étais une femme, en fait, et les genres étaient inversés, mais les potes auraient réagi beaucoup plus vite, en fait. Oui, parce que pour le coup, effectivement, on a tendance à s'imaginer. Enfin, d'ailleurs, tu sais quoi? C'est d'une bêtise. Enfin, tu sais, j'en parle souvent en ce moment de ce fameux Reels où je dis, ah, mais nous, les meufs, on en a marre qu'on nous résume à notre apparence physique, on en a marre qu'on nous dise qu'on est belle, blablabla. Il y a plein de mecs qui ont dit, bah, moi, j'aimerais bien qu'on me dise que je suis beau. De la même façon que je dis, on en a marre d'être harcelé dans la rue, les mecs, ils disent, bah, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une meuf qui vienne me harceler dans la rue. Et en fait, Oui, à bien force de sûr. faire ce genre de blague débile, le jour où un homme se retrouve effectivement harcelé, ah bah voilà, qu'est-ce qu'ils se disent les gens? Oh bah ça doit lui faire plaisir de se faire harceler! Eh ben non en fait, personne n'aime être harcelé parce que le harcèlement par définition, c'est une agression. Donc je comprends tout à fait le désarroi dans lequel t'as pu te trouver. Parce que, et même, en fait, même tes potes, j'avoue, j'ai du mal à leur en vouloir parce que c'est tellement inscrit dans l'inconscient populaire non bah de toute façon, un homme ne peut pas se faire agresser par une femme, enfin. De toute façon, ils aimeraient tellement puisque ça ne leur arrive jamais. Sauf que non, en fait. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, je suis d'accord avec ça, et que de toute manière c'est des constructions de genre et il y a des victimes et des agresseurs dans tous les genres. Ouais, excuse-moi. Tranquille, Guillaume, tout va bien. Il a le droit de mettre un bonhomme qui rigole quand même. Chill, Guillaume. Prends ton café, bois ton café, ça va bien se passer. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi. Et pour. Parce que tu m'as dit que c'était il y a longtemps cette histoire. T'en as reparlé avec eux récemment ou pas? Non, mais je vais voir mon pote prochainement et je pense que je vais lui en reparler. Ça va être Ce rigolo. serait On est tous les intéressant deux assez d'avoir. matures maintenant, mais ouais, Ce c'est serait intéressant. intéressant d'avoir son avis aujourd'hui parce que, encore une fois, c'est vrai que, notamment il y a quelques années, bon, de toute façon, une nana qui se serait fait harceler pendant toute la soirée, ça aurait été censé être flatteur. Et puis, alors, je te raconte pas, un mec qui se fait harceler par une meuf, encore plus. Aujourd'hui, je pense quand même que les mœurs évoluent, on se rend compte du fait qu'il y a un problème là-dessus, mais c'est toujours pas évident pour tout le monde, quoi. Donc, merci de le souligner, mon Alphonse. Ce n'est pas OK, ce genre de situation. Et il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, oui, c'est à l'agresseur de partir. Je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, parfois, quand l'entourage ne se rend pas compte, etc., c'est vrai que parfois, le mieux, c'est de partir, même si c'est pas toujours évident, parce qu'on ne se rend pas forcément compte sur le moment, en fait, qu'on est en train de se faire agresser. Tu sais, sur le moment, tu es un peu sidéré, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas. Donc, voilà. Mais merci pour ton histoire, mon Alphonse. On te fait des gros bisous. Gros bisous, ciao. À bientôt. Ciao. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, The Mono 59, que c'est juste marrant de voir un pote. Non, 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 attends. Putain, Marie.
J'aurais bien aimé lire le message parce qu'il disait c'est juste c'est marrant de voir un pote qui est dans une situation sans réel danger. Mais en fait, c'est qui es-tu pour décider de s'il y a danger ou pas? Qui es-tu pour savoir si oui ou non la personne va être traumatisée? Si, bien sûr qu'il y a un danger. Évidemment, quelqu'un qui est en train d'agresser ton pote, parce que c'est une agression, hein, le harcèlement, etc., c'est une agression. Donc non, c'est pas marrant. Oui, voir son pote dans une situation gênante, c'est marrant. Mais une agression, c'est pas gênant. C'est grave. Alors oui, c'est gênant, plus grave. Donc attention. Attention à ce que tu racontes et à la façon dont tu réfléchis. Parce que là, cet Alphonse, s'il vient nous en parler des années plus tard, c'est que c'était pas marrant, tu vois. C'était pas marrant du tout. Quand il y a sidération, c'est qu'il y a agression. On n'entre pas en état de sidération pour rien. C'est ça. Mais le problème, c'est que tes potes, quand t'es en état de sidération, peut-être qu'ils vont croire que t'es juste gêné. Et ça prête à confusion. Non. C'est pour ça que vraiment, il faut savoir, il faut identifier. Un comportement comme ça, c'est pas OK, comme tu dis, Médou Tortel, c'est pas OK et il faut intervenir. Et si la meuf, elle est pas capable de se tenir correctement, elle se casse, quoi. Après, les femmes qui agressent les hommes, c'est quand même plus rare que des hommes qui agressent des hommes. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça apporte au propos, ce que tu racontes? Oui, on est en train de parler... Tu sais, on dirait les hommes qui disent « Ah mais not all men !» Oui, bah not all women, on sait très bien. Là, ils parlent... En fait, ce que tu racontes, ça n'apporte rien au débat. Vraiment, ça essaie juste... Je parlais à quelqu'un d'autre. Ben, mentionne-le alors. Peut-être que les hommes parlent moins aussi, non. Peut-être. De toute façon, tu sais, les victimes ont toujours du mal à parler, hein, dans tous les cas. Je pense qu'effectivement, il y a plus d'hommes qui agressent que de femmes. De toute façon, les stats le disent. Maintenant, je pense que de toute façon, pour une victime, c'est difficile de parler. C'est le truc cliché de ton pote qui se fait draguer par une femme, mais il voit que ça force, on en rigole. Mais si c'est un mec qui l'emmerde, je ne parle pas de drague, ça part au quart de tour. Ouais, c'est ça. Sur des agressions de ce type, les hommes agressés sont rarement pris au sérieux. Absolument. Absolument. Alors que pourquoi? Pourquoi? Enfin, c'est un non-respect de leur consentement aussi, quoi. C'est pas parce qu'ils ont plus de muscles et qu'ils peuvent mettre une patate qu'ils peuvent, ils peuvent pas être choqués par une absence de respect du consentement. Je trouve pas, il y a énormément de femmes qui agressent par la parole, mais comme un homme est censé encaisser, il t'en parle moins. Oh non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord de bonne aventure. Excuse-moi, hein, mais des agressions par... Tu parles d'insultes. Des agressions par la parole, il y en a autant chez les... Enfin, d'ailleurs non, moi je trouve qu'il y en a plus chez les hommes que chez les femmes, mais bon, admettons. Soit je suis pas du tout d'accord, mais bon, bref. Sur quelque chose de similaire, on m'a dit ouais, mais avoue que t'as kiffé quand même, non? Ah ouais, quelle horreur. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Celles et ceux qui veulent participer, vous m'envoyez un petit popcorn par message privé. En attendant, on appelle the only one, mile away, I'll be there the same. On le voit dans la série Mon Petit Reine quand il a voulu porter plainte. Ah putain, j'ai pas regardé jusqu'au bout Mon Petit Reine. Est-ce que vous avez regardé ou pas? Oui, mon sergent, tu nous entends? Oui, j'entends. Ça y est, tu décroches. Merci, sa sainteté. Oui, attends, excuse-moi. Vas-y, fais tes petites affaires. En attendant, je parle juste du Petit Reine. Moi, j'ai arrêté Mon Petit Reine, je crois, au troisième épisode. C'était trop pour moi. Alors, sans doute que c'est formidable, etc. Moi, c'était trop pour moi. J'ai pas pu supporter. Attendez, je regarde pourquoi mon chien aboie. Sans doute pour rien, comme d'habitude. Moi, j'ai pas pu continuer la scène où il s'est violé et tout. Ah là là, quelle horreur. Donc, mon sergent, t'écoute. Raconte-nous de quoi tu veux nous parler. Histoire croustillante, c'est bon? C'est par rapport à hier, quand tu m'as appelé, que j'ai pas répondu. Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, hier, t'as parlé, tu sais, des sextoys et tout. Il m'est arrivé une dinguerie. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, si tu veux, au mois de mars, j'ai fait une mission intérim. Et en fait, mon job, c'était de distribuer des flyers, on va dire, dans tous les commerces qui entouraient la boulangerie. Bref. D'accord. Donc, il y en avait une pelée, quoi. Ouais. Parmi eux, il y avait un sex shop. Première fois de ma vie que je rentre dans un sex shop. Ok. Et puis à un moment donné, donc j'ai fait la pub, je donne le flyer, et en gros, en retour, le patron, il doit prendre une photo avec nous et compagnie. Bon, bref. Et sauf qu'en fait, ils ont le droit de refuser. Bien sûr. Et en échange, en gros, le mec, il m'a donné un sextoy. Ok. Parce qu'il voulait pas faire la photo. C'est vrai, trop bien, et alors? Bon, c'était une top, tu vois, c'était rien de... Bon, rien de... Bref. Et puis après,
Je rentre à la maison et tout, bref. Et il s'avère que, je ne sais plus pourquoi, ce sextoy, je le pose sur le rambarde de la, sur la rambarde de la fenêtre. Et il faut savoir que j'habite dans une ville où les pigeons et les goélands, il y en a plus que d'habitants. Oui. Bref, je regarde la télé, et puis là, tout d'un coup, je vois un pigeon sur la rambarde. Il n'a pas pris le sextoy, s'il te plaît, le pigeon? Arrête tes conneries. Je te jure que c'est vrai. En fait, si tu veux, il pensait que c'était de la bouffe, mais c'était pas de la bouffe du tout. Bref. Putain! Et donc, du coup, le pigeon, il arrive sur la rambarde, il prend le truc, et en fait, il a pris genre 10 secondes parce qu'il a dû capter que c'était pas de la bouffe, tu vois. Et là, je me retrouve le sextoy, mais en bas de la résidence, quoi. Voilà. Oh, t'es allé le chercher ou pas? De quoi? T'es allé le chercher ou pas? Ah ben oui, effectivement, oui, je suis Mais allée attends, mais chercher, oui, en en vrai, c'est mode dangereux. discretos. C'est dangereux parce que tu te prends une bite sur la tête. Attends, t'es quoi? T'es à quel étage? Deuxième. Ah, bon, ça va. Mais quand même, enfin, tu te prends une bite sur la tête, ça fait un peu mal, non? Ça, je sais pas, mais ça fait mal, oui. Ça peut Heureusement faire mal, qu'il n'y avait personne en bas, t'imagines? oui. Déjà, tu te serais fait voler ta bite en plastique. Et en plus, non, mais trop drôle, trop drôle. Et alors, personne t'a vu, c'est bon, pas de gênance autour de ça. Pas de gênance, mais c'était juste la situation, elle était ultra drôle. Il faut que ça m'arrive à moi, tu vois. En Sur même dans le cas, temps, il faut que ça m'arrive à moi. quelle idée de foutre sa bite sur la Mais je fenêtre. sais. Mais je sais, mais je. Oh, je sais plus pourquoi j'ai aimé plus jamais. Les gens, il ne faut pas faire ça. Parce qu'à tout moment, il y a un pigeon qui débarque. Non, mais les histoires de Marie Cazot, il n'y a qu'à toi que ça arrive, ça. You know that. Mais oui. Mais oui, je sais. Je sais, je sais. Oh, bah écoute, Enfin, voilà. merci pour cette histoire rafraîchissante. On te fait des gros bisous. Bisous, à bientôt. Mais what? Mais what? À quel moment? Le sextoy au bord de la fenêtre pour qu'il prenne l'air. Non mais grave, je vais l'aérer un peu, tu sais. À retenir, ne pas mettre de bite sur la fenêtre. Non mais grave, costaud le pigeon pour porter un god. Mais non mais tu sais, il a pas besoin de le porter. Il tire, ça tombe et boum. Tu vois. Donc, comme dirait Nad, se prendre une bite sur la tête, ça fait mal. Non, mais grave, attends, t'imagines? Après, moi, j'habite, forcément, comme j'habite à Paris, j'habite dans une tour à très hauts étages. C'est un truc qui tombe vraiment, mais ça prend de la vitesse, un truc de ouf. Deuxième étage, ça va, mais bon, dans tous les cas, c'est lourd, tu prends sur la tête, franchement, je pense que ça fait mal, hein. C'était un briquet sextoy. Bonjour, vous faites quoi? On parle de vos histoires croustillantes. Donc, si t'as une histoire de tromperie, de trahison, un truc un peu croustillant, des potins, viens balancer, tu m'envoies un petit popcorn par message privé, puis on en parle. Allez-y, mes enfants, envoyez-moi. Elle ressemble à Billie Piper. Qui ça, moi? C'est qui Billie Piper? En attendant, envoyez-moi un petit, comment ça s'appelle? Un petit message, un popcorn. Billie Piper. Alors moi, je suis pas botoxée. Oh putain, j'avoue! Par contre, moi, je suis pas botoxée comme ça. Mais regardez, j'avoue, il y a un truc, hein, regarde. J'avoue, il y a un truc. Il y a un petit truc. Par contre, maintenant, la pauvre, elle a pris trop cher avec le Botox. Hein. Oh, ah non, mais. Ça. C'est dommage que. Parce qu'après, c'est juste parler. Ah, j'avoue. Bah, Billie Piper, tu vois, on me l'avait jamais dit. Elle a une grande bouche quand même. Hein. Moi, j'ai pas une grande bouche comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Ok. Ouais, bah, elle a des gros sourcils, quoi. Comme moi. Comment ça, mon chien, il est hors de la clôture? Regardez, attendez, attendez, parce que j'ai une notification comme quoi mon chien s'est barré. Et alors ça, j'aime pas du tout. On va appeler Booba. Booba. Non, c'est bon, il est là. Pauvre petit chien. Pauvre petit chien. Oui, je sais pas pour vous, moi j'ai un tracker sur mon chien. Comme ça, si jamais il est plus dans mon jardin, ça bip. Et ça, c'est très très pratique. J'imagine aux urgences. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, je marchais dans la rue, je me suis pris une bite sur la tête. Moi, c'était le sextoy oublié dans le tiroir qui était à moitié ouvert. Quand ma mère est rentrée dans la chambre, elle a dû penser des trucs drôles en tant que mec, alors que c'était pour m'amuser avec mon ex-copine. Mais encore une fois, Nitro, tu vois, ça c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Pourquoi ce serait drôle qu'un mec se mette un sextoy dans le cul? En vrai? Enfin, tu sais? Pourquoi ce serait drôle? En vrai, t'as le droit, quoi. Enfin, ça, c'est ouf, hein. Encore une fois, c'est la société qui nous met en tête que, oh là là, les hommes, surtout pas de plaisir anal, là-bas, non, non, non. C'est juste, non. Tu ressembles à Naomi aussi, d'accord. Un journal intime du Colbert Girl avec Billie Piper, très bonne série. D'accord, très bien. Mais écoute, j'irai voir. Si j'ai le temps. Envoyez-moi des pop-corns par message privé. On va en discuter. Et moi, cette histoire de sextoy là, comme vous savez, donc je vous l'ai dit, j'ai déjà travaillé beaucoup avec beaucoup de marques de sextoy différentes, etc. Donc autant vous dire que selon les périodes de l'année, mais j'ai des armoires entières remplies de sextoy.
Et à Paris, on avait une femme de ménage. Et la première fois qu'elle est venue, en fait, j'étais très très gênée parce que mon mec il m'a dit mais range les sextoys quoi. Enfin, parce que moi t'es, je les cachais pas. Enfin, juste ils étaient sur une étagère, juste enfin complètement en vrac. Bon bah voilà, ils sont là quoi. T'es, en fait, je considère pas que c'est intime puisque je m'en sers pas. T'es, bon bah oui, ils sont là, mais j'ai pas de honte et de gêne puisque je m'en sers pas. C'est pas comme si c'était un sextoy que j'utilisais régulièrement. Là oui, bah oui, ce serait intime et je le cacherais. Et du coup, je dis bon bah ok, c'est bon, elle peut passer. Et mon mec il me dit, mais attends, mais range tes sextoys, enfin, tu peux pas laisser ça. Et je sais pas ce qu'elle a pensé de nous, cette dame, mais vraiment, je pense qu'elle a dû se dire comme on était des cochons, quoi. Mais des cochons sévères. Je prends les poussières sur vos 63 godes. Nat, comédienne vidéaste que Dr Love et rustleuse de sextoys. Non, mais je vous jure, vraiment. Et pareil, j'ai eu le même problème quand la mère, enfin, à la limite, mes parents, je pense qu'ils auraient pas capté, mais la mère de mon mec qui est venue plusieurs fois à la maison, il me disait, putain, mais range tes sextoys, quoi. Range tes sextoys, enfin, tu peux pas laisser ça, il y a la famille qui arrive, tu vois. J'ai dit, ah oui, merde, bon, bah, tu sais, puis je sais pas où les foutre parce qu'il y en a trop. Aïe, 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 c'est terrible, pourtant c'est que des jouets, hein, après tout. Ah oui, et la dernière fois, oh non, mon fils qui arrive et il dit, maman, t'es quoi ça? Encore une fois, ce sont des sextoys qui ne sont pas utilisés. Ma seule histoire de sextoy, c'est moi petite qui trouve le tiroir à jouets de ma mère. Descends avec un enfant en pleine réunion de famille. Oh, maman, ah bah voilà, bah la même, trop drôle. Je t'imagine, Ikea, il me faut des nouveaux rangements pour tous mes sextoys. On a tous une idée de où les mettre. Oui, certes, faut ranger ses jouets. C'est les jouets de maman, MDR. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit non, c'est pas pour toi ça, mon bébé, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je peux lui dire, bah voilà, bah ça c'est pour se mettre dans la tâche. Il est un petit peu trop petit. C'est un pistolet, piou piou. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour vos histoires croustillantes. Allez-y, envoyez-moi un petit popcorn par message privé. Moi, je vous appelle Potin de Bar. On téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse. Allô? 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 Salut Alphonse, comment ça va? Ça va. Au niveau de la connexion, ça va? Eh bah ouais, 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 ça va super. Alors, on t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante? Ok. Ouais, bah c'était dans un bar avec des potes. Ouais. Donc, au début, j'avais des potes de fac. Je leur dis, bon, bah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on va boire un verre. Ouais. Et je propose un bar, ils sont chauds. Et au moment arrivé de la soirée, ils me font, attends, on va dans un autre bar, j'ai un pote qui y est déjà. Il me donne son nom, je fais, ah. Et en fait, c'est qu'il a trois potes qui ont le même nom. Et je me dis, mince, enfin, sauf que j'étais pas au courant sur le coup. Et je me dis, bah, ça doit être un Alphonse que je connais déjà. D'accord. En fin de compte, c'était un autre Alphonse. D'accord. Donc, on se réunit tous, on va prendre des bières. Et je vois que l'Alphonse en question, il commence à commander pour tout le monde. Et il me regarde, et il me fait, bah, toi, je te connais pas, donc je t'invite pas. Je suis en mode, bah, ouais, il n'y a pas de souci. Enfin, même moi, genre, tu me connais pas. Attends, mais ça se fait trop pas. Attends, bah non, je suis pas d'accord, ça se fait trop pas. Tu prends une tournée pour tout le monde, tu dis pas, ah bah toi, je te prends pas de verre parce que je te connais pas, ça se fait trop pas. Non, mais. En fait, c'est surtout que j'avais une pote à ce moment-là qui regarde, il fait, ouais, toi, tu prends quoi, tu prends quoi? Et elle me dit, bah toi, elle me pose la question de, tu prends quoi? Et je lui fais, bah, je prends ça. Et elle commence à le dire. Et le gars, il annule ma commande parce qu'il fait, je vais pas payer pour toi. Je me dis, non, mais j'en ai rien à foutre. C'est juste que là, en fait, on va perdre 10 minutes à attendre la prochaine moment où le barman il est libre pour que je puisse me servir une bière, quoi. Non, mais attends. Mais donc, mais déjà, tu lui avais fait un truc pour qu'il veuille t'exclure comme ça ou c'est juste un connard de base? Tu vas le comprendre à la longue. La fin va vraiment être humiliante très pour lui. Et donc, la soirée se passe. Et en fait, on arrive à la table. Ouais. On est sept. Ouais. Il y a donc mes deux potes, un gars et une fille. Et ensuite, il y a le Alphonse en question, le connard. Sa copine qui sera d'une dignité folle tout le long de la soirée. Mais vraiment, tu sais, ce moment où quand tu te fais humilier toute la soirée, tu ne bronches pas. Ouais. Tu gardes une stature, on va dire. Ouais. Et t'as deux potes de l'Alphonse en question. Et en fait, ses potes, c'est un couple. Et ça s'avère être son prof de pilotage et la copine de son prof. Ok. Ils étaient tous les trois adorables. Et au milieu, t'as vraiment l'Alphonse qui fait tâche en termes humains. Mais contre toi uniquement. Donc, il avait une dent contre toi pour une raison que tu ignorais. Allô?
Bah, je discute avec, avec la copine du prof du LM, un peu avec le prof du LM, et en fait, ils me disent, ouais, on est là depuis quand même pas mal de. Enfin, on est là depuis 16 heures et on enchaîne les bières pour avoir des tickets parce qu'il y avait une tombola le soir. Donc, ils commençaient un peu à être ronds, mais vraiment très sympathiques, pas d'alcool mauvais, vraiment bon mood. Je discute un peu avec la fille, franchement, bonne ambiance et tout. Et elle me dit, ah ouais, non, mais il est un peu gênant des fois, le Alphonse en question, enfin, voilà, nous, on vient d'un milieu un peu plus modeste, lui, il est un peu plus fortuné, enfin, il est un peu plus aisé, et en fait, il pense être aussi mal, enfin, aussi avoir la même situation que nous au niveau économique. Et des fois, il est complètement déconnecté de la réalité en disant, oui, voilà, tu peux Alors, être touché là déjà, Alphonse, excuse-moi, il tu se te paye perds des dans les cours en détails. ULM. Va au but, il s'est passé quoi du coup? Pardon? Je dis, tu te perds dans les détails, Voilà. va au but, il Et s'est donc, passé quoi? oui, pardon. C'est, il se, vraiment, donc, il y a des gens qui se lèvent, qui se rassoient, etc. Et il revient à la table et il dit, ouah, ouais, trop bien, à mon pote qui était là, j'ai dragué une meuf dans le bar, elle a l'air vachement chaude. En plus, il dit ça devant sa copine à lui. Je peux te la présenter, il y a moyen que tu puisses arranger un truc avec. Attends, pour lui? Ah, Et là, après, c'est pas s'ils sont en terrible. couple libre, c'est ok, mais... Non, 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 en fait, il voulait draguer une meuf et après la présenter à un pote et lui dire, vas-y, je t'ai dragué, je te plais, va discuter avec mon pote. Et je lui fais, bah, c'est un peu bizarre. Ah ouais, c'est Vraiment, chelou, à c'est ce très moment-là, très il mettait tout le chelou. monde à la l'aise. Ouais. Mais vraiment, il humilie un peu sa copine, enfin, concrètement, son discours et ses Ah actions non, humilient un peu sa à fond, copine. moi je peux te dire, je me Et serais barré à un moment, rapidos. t'as ma pote qui est un peu ouverte, qui est facilement la conversation avec tout le monde, qui se lève et qui va discuter avec à peu près toutes les tables qui nous entourent. D'accord. Et l'Alphonse en question, à moitié bourré, qui dit « Ah non, mais ça, cette Gertrude, c'est une vraie femme, hein, une femme comme on les aime. » Et donc, t'as la copine du prof du LM qui regarde et qui fait « Non mais mec, t'es sérieux? Il y a moi et ta copine en face de toi, nous on est quoi ?» Il fait « Non mais vous n'avez pas compris, vous êtes des filles de vrais mecs. » Et hein, elle commençait à... La Gertrude en question, elle disait « Mais attends, mais... Enfin... Retire ça, quoi. C'est pas sympa pour nous deux, et puis ça n'a aucun sens ce que Bah tu ouais. dis. Genre, ça veut dire quoi une meuf de vrai Non mec? mais c'est clair. Et le mec, au lieu de désamorcer la situation ou même de présenter des excuses, il continue à faire monter la mayonnaise. Puis là, il y a la Gertrude qui avait un fond de bière dans sa pinte qui lui jette au visage, mais vraiment sans crier gare. Et là, t'as vraiment le Alphonse en question qui a le visage d'un enfant de 4 ans. Tu sais, qui joue à l'arroseur arrosé, et puis au moment quand il se prend un coup de jet d'eau dans le visage, le même visage, il prend son sac, il se lève, il commence à s'en aller, puis il se retourne un peu en espérant que sa copine va le suivre. Et là, t'as la copine qui nous regarde, il fait, bah, j'essaie d'aller le raisonner, leur faire descendre en pression. Et bah, il s'est barré comme ça, juste parce qu'il n'était pas content d'avoir pris un verre de bière, un fond de bière dans la gueule. Bah attends, c'était mérité Et quand le pire, même. vraiment, bah oui, même moi j'étais en même. Et la Gertrude qui lui avait balancé le verre à la gueule, elle était un peu fatiguée, un peu à l'alcool, et donc elle s'était mise à pleurer en larmes. Et elle disait mais il le mérite. Et en fait je culpabilise de lui avoir jeté le verre dans la gueule parce qu'après il s'en allait. Et en plus ça me fait chier parce que je suis pas arrivé à voir le numéro de sa copine qui est une personne formidable. Et vraiment c'est lui qui faisait tâche dans la soirée. Et à moi j'ai essayé de la rassurer. Elle m'a dit, non mais ça va. Au pire il était un peu rond. Demain il aura oublié. Il sera passé à autre chose. Mais mon pote, il disait, non, mais je le connais, demain, il sera passé à autre chose. Enfin, il n'est pas Ah rancunier à ce bon? moment-là. Mais Bah putain, c'était vraiment, le sais, attends, j'étais tu en te mode, prends. c'est la personne qui est censée être le moins gênée de son action qui est le plus gêné. Ah oui, non, mais ça, c'est toujours comme ça. Mais par contre, le mec, vu. Enfin, tu sais, l'alcool, oui, ça excuse certaines choses, mais en vrai, ça ne fait que révéler des schémas qui existent déjà. Le mec, Ah oui, non, il mais s'est là, c'est comporté comme vraiment un con. C'est que de base, c'était pas c'est un con. excusable. Non, mais c'est ça. Et donc, je pense que, tu sais, quand on est très très con, on Bon, est la quand même soirée est en convaincu. train de. On est convaincu d'être dans son Ah oui. droit. Et le fond de bière, je pense pas que ça va lui passer par-dessus. Hein. Je pense que, t'inquiète, ça va pas lui plaire. Hein. Oui, non, mais c'est surtout qu'en plus, bah, à côté, sa copine qui était d'une stature, enfin vraiment, genre, il vient, il assume qu'il a dragué une meuf dans le bar pour la présenter à un autre pote devant sa copine, je pense que c'est pas très Ah respectueux. non, non, mais à Il fond. commence à flex que oui, avant de l'avoir connu, il avait couché avec 200 meufs et que ce week-end, ils ont ken 4 fois. Mais surtout, qu'est-ce qu'on s'en Vraiment, il commençait à branle? dérouler la vie sexuelle et celle de sa copine au passage, quoi, parce que ben, sa vie sexuelle de couple, Ah en non, mais mode, c'est trop déjà, ça ne nous chelou. intéresse pas, Ah c'est non. hyper malaisant, Non, mais c'est et clair. franchement, genre, ta copine, elle n'a pas l'air très d'accord que tu déroules comme ça, quoi. Oh,
Mais quel enfer. Mais quel enfer, ce gars. Et pardon, mais depuis tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, tu fais les louanges de sa meuf. Mais enfin, sa meuf, qu'est-ce qu'elle fout avec un as pareil? Oui, non, mais on comprend pas pourquoi. Oui, on s'est tous posé la question de qu'est-ce qu'elle branle avec. La meuf, elle est ultra cultivée, vraiment, dans sa tête, quand tu discutes, t'es en mode, c'est une personne hyper intéressante, elle est en études d'archéologie, donc vraiment, elle est passionnée par ce qu'elle fait, elle discute, elle écrit des articles scientifiques, quand tu creuses, c'est une personne hyper intéressante, qui a de la conversation, t'es en mode, t'es une fille trop bien, hyper gentille, avec le cœur sur la main, et tu sors avec ça. Écoute, peut-être qu'il a un bon coup de bite, j'espère, au moins. C'était une blague. Vraiment, je pense que non, les meilleurs coups de bite, c'est pas ceux qui en parlent le plus, mais bon. Écoute, elle a forcément ses raisons. Tu sais, parfois, quand on manque de confiance en soi, on s'imagine... Oh, la classe, mais ta gueule, j'ai le droit de faire j'ai le droit de faire des blagues de beauf, d'accord? C'est ma chaîne. Merde. Et donc, oui, ça dit pas pourquoi t'as pas payé ton verre. T'as bien raison, Briano 05. En fait, parce qu'il me connaissait pas, alors que je le connaissais si, parce que je l'avais déjà vu dans le labo, etc. Mais vu que j'étais pas à pote et que c'était la première fois qu'on se voyait en dehors du labo, il était en mode, je te connais pas, je vais te payer un verre, quoi. Non, mais moi, ça me gêne pas, en mode, rien à foutre, quoi, tu me payes pas mon verre. Déjà, genre, t'es pas en mode, tu me cancelles la pinte qui a été commandée et que ça me ferait attendre 10 minutes de plus au comptoir. Non, mais c'est clair. Vraiment, à la fin, mes deux potes, ils m'ont gagné. Enfin, on reste avec toi, on attend que tu sois servi, quoi, pas que tu sois tout seul au comptoir. Non, mais de toute façon, si tu veux, déjà l'action. Dès le début, il a commencé à prendre un franc. Déjà l'action de base, tu sais, t'identifies immédiatement. C'est toi, t'es un as, quoi. Donc, non, mais je comprends tout à fait. Mais écoute, merci pour cette histoire qui, effectivement, était croustillante. Un vrai storytelling. Merci. On te fait des gros bisous, Alphonse. À bientôt. Désolé pour les détails. Ah, mais t'inquiète. On te fait des gros. Oh putain, il m'a raccroché à la gueule. Oh la violence. Mais non, faut pas s'excuser pour les détails. Vous savez, j'essaye toujours de pas être désagréable quand je le dis, mais souvent quand je vous dis, là tu te perds dans les détails, c'est parce que je sens que ça sert pas l'histoire, c'est juste pour que ce soit plus fluide, mais il n'y a pas de souci. C'est ciao, merci beaucoup pour cette histoire, mon cher Alphonse. Pour celles et ceux qui veulent participer et nous raconter votre histoire croustillante, envoyez-moi un petit popcorn par message privé sur Discord. Mon Discord, c'est NadRichard, vous pouvez mettre point d'exclamation Discord dans le chat, et on va papoter de vos histoires croustillantes. Donc ça peut être vraiment des histoires de soirée comme ça, un peu what the fuck, des histoires de trahison, des histoires de tromperie, des histoires de déception, enfin des potins, quoi. Venez raconter vos potins, on adore ça. Et puis de toute façon, si vous vous perdez dans les détails, vous inquiétez pas, je te dis, là, bon, ça, vas-y, on s'en fout un peu, avance dans l'histoire et puis tout va bien se passer. Trop de détails, ça fait perdre le fil à ceux qui ont du mal à se concentrer. Exactement. C'est la raison pour laquelle souvent j'élague un petit peu. Voilà, c'est tout, je présente ce live, donc je coupe un peu, mais... Trahison, disgrâce, il n'est que violence depuis sa naissance. Trahison. Et ça, c'est le Roi Lion 2. Donc, je constate quand même, avec surprise, que beaucoup, beaucoup de gens ont la rêve du Lion 2, en fait, hein, du Roi Lion 2. L'esprit du mal est marqué... Ah oui, c'est ça! L'esprit du mal est marqué sur sa face. Hombrero! Il vit en toi, Pombrero. C'est pas ça du coup, hein, ça n'a rien à voir. Il vit en toi, Pombrero. Il n'est que nuisance depuis sa naissance, oui. C'est ça les paroles. Trahison, disgrâce. Il n'est que nuisance depuis sa naissance. J'ai dit autre chose? Bon, c'est possible que je me sois trompée de mot. Trahison, disgrâce. Ton rire est terrifiant. Oh non, me dis pas ça, enfin. Tu connais de la comédie musicale? Ah bon? Oui, t'as bien fait de bannir. T'as bien raison, Mopinou, merci. La musique de Mufasa à The Lion King au Mosgador, j'en ai eu des frissons. Ah, je l'ai vu, mais moi, il y a super longtemps. Il y a super longtemps, donc je me souviens pas. J'étais assez jeune quand je l'ai vu. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui nous envoie un petit popcorn par message privé pour venir nous raconter vos histoires de trahison, disgrâce? Ah, j'avoue, je n'ai que le début de la chanson. Pour le reste, je vous laisse en décider. Ça marche. Allez, à qui on téléphone? Envoyez-moi des petits pop-corn par message privé. J'appelle Alphonse. Et après, je n'ai personne d'avance. Donc, téléphone à Alphonse. Téléphone à Alphonse. Téléphone à Alphonse. Allô, Alphonse. Oui, bonjour. Ouh, comment ça va? Super. Et tu m'entends bien? Oui, parfaitement bien. Alors, on t'écoute, raconte-nous. Quelle est ton histoire croustillante?
À force d'entendre des histoires, là, j'en ai plein qui viennent. Ah, alors, ça, c'est vraiment les histoires qui entraînent les autres, j'adore. Vas-y, on t'écoute. C'est ça. Alors, j'ai deux histoires. Donc, soit une histoire, on va dire, d'humiliation, un peu comme au bar, voilà, que j'ai vécu il y a quelques années à la fac. Et une autre où j'ai été, on va dire, accusé, justement, d'agression sexuelle à tort. Enfin, alors moi ça j'aime pas trop la deuxième histoire parce que j'estime que quand il y a des accusations il faut croire les accusants donc on va pas cultiver ce genre d'histoire. Ouais. Pas, va pour la bon, première. Après bon, c'est vrai que dans les deux cas voilà alors on va partir sur l'histoire de bar dans ce cas-là. Bah, c'était à la fac c'était plus sympathique plus rigolo on va dire. Voilà. L'autre, d'autant plus qu'on croit les personnes voilà nous sur notre chaîne on croit les personnes qui sont victimes et qui parlent. L'idée c'est pas de encore une fois dire oulala peut-être que la victime elle ment. Non on ne cultive pas ce genre d'histoire. Donc vas-y on t'écoute l'histoire du bar du coup. Alors donc j'étais à la fac fac de droit donc on devait faire une soirée étudiante sur le secteur d'Avignon. Et j'avais récupéré un pote qui habitait pas loin de chez mes parents, parce qu'à l'époque, je vivais chez mes parents. Ouais. Et on se rejoint chez une autre personne avant d'aller en soirée. Okay. Donc jusque-là, ça va. Donc j'arrive chez lui. On était à domicile. Donc on n'était pas encore... Vas-y, écoute les détails, Alphonse. Avance dans l'histoire. Et arrivé donc, chez lui, je vois qu'il sert un verre à tout le monde, sauf à moi. Ouais. Tu vois, même pas un verre d'eau, même pas un Perrier, rien. Donc, du style, voilà, moi, je t'apprécie pas derrière. Donc, ben, bon, je l'ai bien compris. Mais seulement, en fait, ce qu'il a oublié, c'était moi le taxi de la soirée. D'accord. Donc, déjà, j'étais le taxi de la soirée et j'étais le Sam de la soirée. Ouais. Hein, pour faire les deux. Donc, on va en boîte, tous ensemble. Et moi, je dis rien, tranquille, etc. Et en discutant comme ça et en faisant la soirée, il y avait une fille qui me dit, tiens, fais chier, machin, je dois dormir chez lui ce soir, parce que j'ai pas d'hébergement, etc. Moi, j'habite trop loin, et ça m'emmerde, enfin, ça l'emmerde grave, on va dire. Et c'était moi qui devais les ramener. Ouais. Donc, lui et cette fille-là, chez eux, avant de retourner ensuite chez moi et redéposer mon pote au passage. OK. Et en fait, donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé là-bas, et je dis, écoute, j'ai entendu, là, ton histoire avec lui. Je dis, si tu veux, j'ai vraiment, là, en tout bien, tout honneur, hein, qu'on soit bien clair. Je dis, mes parents, ils ont une grande maison, ils ont une chambre d'amis, donc toi, tu aurais ta chambre d'amis, etc. Enfin, je veux dire, c'est... voilà, il n'y a pas de souci, elle accepte. Donc, du coup, je la récupère et justement, je l'emmène chez moi. Il me dit, oui, mais j'ai une copine, justement, qu'on doit redéposer chez elle. Bah, ça tombe bien, c'était la dernière place manquante. Okay. Et au moment de sortir de la soirée, du coup, le mec qui ne m'a pas proposé un verre, ben, il vient me voir en me disant « Ah oui, en fait, ben, du coup, on va y aller, etc. » Je dis « Ben non, ben, la voiture, elle est pleine. Il faut que tu te prennes un taxi. » Du coup, donc là, le type, non seulement je l'ai planté en boîte, donc il est resté tout seul en plein milieu, en plus, c'était vers Château-Renard, mais un truc bien paumé où il n'y avait rien. Je suis parti avec la nana qui voulait brancher. Du coup, ah non, mais t'es donc, dur. Je lui ai dégommé sa soirée. Donc, et après, donc, la fille, bon, je l'ai ramenée le lendemain matin chez elle, etc. Donc, ouais. comme promis. Parce qu'on va dire que voilà, moi, je suis quelqu'un de très carré. Et quand je dis quelque chose, je le fais. Et les allusions graveleuses ou utiliser ce genre de système pour draguer les filles, c'est pas du tout mon genre. Non, c'est clair. Voilà, on va dire que j'ai une éducation assez rigoureuse par rapport à ça. Okay. Et voilà, et donc, en fait, c'est vrai que ça me faisait penser à ça. Donc, le mec, je l'ai planté en boîte avec la nana. Il voulait inviter parce que lui il avait un studio donc forcément il avait qu'un seul lit. Ouais. on se doute bien qu'il avait prévu de la pécho. Mais alors attends, parce que il y a quand même quelqu'un qui dit, et c'est vrai. Alors ok, le mec a été impoli de ne pas te proposer un verre, mais sur le reste il était un peu sympa ou c'était un gros con? Parce qu'en soi, il a oublié de te proposer un verre. Tu sais, parfois ça peut arriver, t'étais en train de te préparer ou quoi, tout oublie ou non, c'était volontaire. C'était bien volontaire parce qu'il m'a bien regardé, il a posé la bouteille, il m'a rien proposé. Alors moi, je suis pas du genre à faire des esclandres, hein, j'ai rien dit. Mais j'ai bien capté que derrière, il voulait bien que je l'emmène en boîte gratos, mais que en fait, il avait pas envie de me payer un coup parce qu'il m'appréciait pas. Donc là-dessus. Pourquoi il t'aimait pas? Qu'est-ce que t'avais fait? J'en sais rien. Après, il y a des gens, ils m'aiment bien, ils m'aiment pas. C'est comme ça. Hein. Mais ça, c'est un truc de ouf. Je sais pas si t'as remarqué, Alphonse. Moi, j'ai grave souffert de ça dans ma vie. Des gens à qui j'avais jamais parlé, pareil. Genre, juste ils m'aimaient pas. Mais pourquoi, en fait? C'est quoi le problème de ces gens-là? Pourquoi ils font ça? Après, ça peut être de la jalousie. Bon, après, il faut dire,
comment dire, moi j'étais à la fac. Déjà à l'époque j'avais une bagnole, donc c'était pas n'importe quelle bagnole. Alors, ouais. C'était pas non plus une Porsche, hein, j'avais une Audi 80. D'accord. Enfin, c'était une vieille voiture que j'avais récupérée de ma grand-mère, mais au moins j'avais une Audi. Donc c'est vrai que c'était quand même bien, confortable, etc. Ouais. Je pensais que ça me coûtait un bras en assurance et en plein d'essence, ça c'est ouais. Encore notre délire. Voilà, mais derrière, bah, forcément, j'arrivais à la fac avec une Audi. Donc bon, déjà il peut y avoir ce côté jalousie matérielle. Voilà, forcément. Ouais, donc, lui, il était sans permis, sans bagnole, dans un studio, on va dire, voilà, sur Avignon. Et encore, je crois que c'était même pas un studio, c'était, il louait une chambre chez un particulier. Enfin, bref, donc, il avait la cuisine commune avec cette femme-là. Enfin, ouais. Peu importe. Mais donc, je peux comprendre aussi qu'il y ait de la jalousie. Voilà, donc, bon, moi, je comprends pas, tu vois. Enfin, vraiment, surtout qu'en plus, t'es étudiant, en gros. Enfin, on se doute bien que t'as pas de quoi t'acheter une villa, sinon tu le ferais, tu vois. Enfin, je sais pas, je comprends pas, mais bon, ça, c'est une autre question. Ah, ok, bah écoute. C'est comme ça. Voilà. C'est bien fait pour ce vilain Alphonse, il avait qu'à être agréable. Non, mais en même temps, t'as quelqu'un qui vient gentiment t'emmener en boîte, évidemment que t'es agréable avec cette personne, quoi. Bah, donc, mais... Ouais, au moins un verre d'eau, enfin voilà, bah, je comprends. Bah, je dis, bah voilà, écoute, comme t'es Sam, je te propose pas une vodka. C'est ça, mais, non, mais au évidemment, moins, évidemment. De toute façon, tu reçois quelqu'un chez toi, c'est la base de la base. Enfin, juste, tu proposes quelque chose à boire, quoi. Et si tu oublies, enfin, tu dis, ah, pardon, excuse-moi, mais enfin, tu fais quelque chose, quoi. Donc, ouais, non, mais là, bon, c'est vrai que c'était clairement volontaire, mais bon, mais malheureusement, il sait pas. Je veux dire, c'est moi, en termes de fourberie, je peux être très doué aussi. Eh ben, je vois, tu lui as bien. Mais d'ailleurs, il s'est pas vénère quand tu lui as dit, bah non, tu te démerdes. Bah si, il était complètement bien. Il me dit, mais t'es mis dans la merde, j'ai pas d'argent pour rentrer. Et je dis, bah écoute, si moi je suis désolé, je dis voilà, enfin moi je t'ai amené, il n'y avait pas de contrat comme quoi je devais te ramener, enfin je veux dire. Non, mais c'est clair, d'autant plus qu'il te traite comme une merde toute la soirée, en fait gros, je suis pas à ta merci quoi, c'est mort non, quoi. On est d'accord. Ah ouais, non, je suis complètement d'accord. T'as posé ta limite, c'est clair. T'as bien fait. On te fait des gros bisous, Alphonse, à bientôt. Allez, ben merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui se. T'es, qui sont vraiment en mode, bah c'est dû. En fait, j'ai pas besoin de te respecter, de toute façon, tu fais ce que je veux. Ah ouais, je fais ce que tu veux, tu vas voir. Ah non, mais moi, je comprends tout à fait qu'il ait joué au con, entre guillemets, tu vois. Mais bon, c'est le pauvre, quelque part, mais en même temps, bah, qui sème le vent récolte la tempête. Il a très mal démarré avec son histoire d'agression. Oui, fallait prendre une bouteille, t'aurais eu pour un taxi. Fallait pas prendre une bouteille, t'aurais eu un taxi. Ouais, grave, non, mais ça, c'est clair, je suis tout à fait d'accord. C'est ouf, ces histoires d'affronts qui sont presque rendues normales, quoi, banalisées, tu sais. Tu m'as emmené, donc tu me ramènes. Ben non. Bah, c'est clair, en fait. C'est clair. Tu m'as pas respecté, donc je te respecte pas. C'est surtout ça. Parce que, tu sais, c'est toujours pareil. Et comme, je sais plus qui disait ça dans une histoire précédente, c'est au moment où tu te comportes de façon irrespectueuse avec la personne qui s'est comportée de façon irrespectueuse avec toi, que tu te sens mal. Ben non, en fait. Juste gros, je me comporte avec toi. T'es miroir, comme il disait l'autre. Hein. Je me comporte avec toi de la même façon que tu te comportes avec moi. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Ça va dans les deux sens. Et bizarrement, quand toi, tu commences à faire miroir, ah bah tout à coup, personne n'aime bien. Ah bah c'est normal, personne n'aime sortir sans caca. Est-ce que tu as vu l'Apple Vision Pro qui va sortir en France? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle, Henri Lebu? Je m'en fous. Merci pour le sub. Moi aussi, je t'adore. Merci à tous celles et ceux qui se sub et qui nous soutiennent. Ça, c'est important. Les gens aiment pas les autres sans raison. Une fois, en soirée, un mec que je connaissais pas voulait pas me laisser parler. J'ai pas dit un mot. Il me fait les gros yeux, me couper la parole et augmenter le volume de sa voix à chaque fois. Ok, et alors? Donc pourquoi? Quelle était la raison? Ah, tu veux dire les gens aiment pas les autres sans raison, genre que ça existe? Pour moi, il y a toujours une raison. C'est-à-dire que moi, je sais que, comme je racontais dans ma vie, ça m'est arrivé souvent des gens qui... La métaphore du caca et pépite. Non, mais c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Personne n'aime sentir son propre caca. Personne aime être traité d'une mauvaise façon, même si cette personne-là te traitait déjà mal. Son message m'a tué, je crois qu'il pensait être sur les numériques. Peut-être. Donc, qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, je pense que les gens, même si t'as pas encore eu l'occasion de parler ou quoi que ce soit, ils ont entendu parler de toi, ils savent qui tu es, etc. Et tu les renvoies à quelque chose que eux n'ont pas. Et Alphonse parlait de jalousie, alors j'aime pas trop ce terme, parce que ça fait un peu genre, ouais, non mais de toute façon, les gens n'aiment pas, ils sont jaloux de moi. En fait, je pense que c'est surtout que tu rappelles à certaines personnes ce que eux n'arrivent pas à avoir. Moi, je sais que j'ai beaucoup souffert de ça, comme je vous disais, quand j'étais au lycée, notamment au collège-lycée. Parce que tu sais, au collège-lycée, c'est le moment où tu t'apprends à avoir confiance en toi, etc. Moi, j'ai eu la chance très tôt d'avoir confiance en moi, et je pense que ça a saoulé beaucoup de gens. Ça ramenait à beaucoup de gens le fait que eux n'y arrivaient pas encore. Et je, pour le coup, ben, du coup, enfin, j'en ai beaucoup souffert. Voilà, vous saurez.
C'était l'instant émotion. Aucune idée, c'était une soirée avec des randoms. Personne ne connaissait personne. Le mec voulait peut-être mieux de l'attention. Ouais, ou alors encore une fois, tu dégageais quelque chose que ce mec n'arrivait pas encore à développer ou quoi que ce soit. Et du coup, les gens se disent, oh là là, si cette personne parle, ça va mettre en valeur le fait que moi, j'ai pas encore ça. Je pense que c'est lié. Ou que tu rappelles à des gens de mauvaises expériences et du coup, ils projettent. Ça arrive aussi. Des fois, t'as des intuitions sur les gens et tu les aimes pas trop sans jalousie. Ouais, non, mais c'est pas forcément des... Alors, je suis d'accord avec toi sur ces histoires d'intuition, mais pour moi, ces intuitions, elles ne peuvent venir qu'un peu plus tard. Vous voyez, c'est comme hier, à trois mots, je savais que c'était des trolls, les personnes qui ont deux ou trois fois d'affilée, là, les gens qui ont appelé. Je sais pas comment vous dire, c'est une intuition, c'est une attitude, un débit de parole que tu reconnais immédiatement et hop, tu sais. Mais pourquoi ? Parce que t'as un peu d'expérience. Je pense que si t'es au collège ou au lycée, cette expérience-là, cette maturité-là n'existe pas encore. Non, ton intuition, elle t'amène jamais à manquer de respect. Absolument. Absolument. Parce que en réalité, tu peux avoir une intuition, mais comme tu dis, c'est très très intéressant ce que tu dis, Lucille de Ronsard. Mais décidément, toi, je t'aime bien. Je comprends pas pourquoi t'es pas seule, par contre. Mais bon, écoute, ça, c'est peut-être une question de moyens. Je peux pas t'en vouloir. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que, effectivement, tu peux avoir une intuition négative sur quelqu'un, mais c'est toujours intéressant, déjà, de respecter les gens et surtout de laisser une chance. Parce que finalement, une intuition, ça s'apparente plus ou moins à un jugement hâtif. T'as une intuition. Tu juges dès le départ que potentiellement, toi, ça va pas le faire. T'es trop chou, Lucille. Non, mais pardon, je voulais pas du tout te mettre la pression là-dessus. Et c'est vrai que ça peut être intéressant parce que parfois, ton intuition, ton jugement précoce, finalement, est faux. Est-ce que ça nous est pas toutes et tous déjà arrivé de se dire « Ah, lui ou elle, je l'aime pas ». Et au final, tu l'adores, cette personne. Moi, notamment, une de mes meilleures amies, les premières fois que je l'ai vue, les premiers mois à la fac, je la voyais dans l'infi, et je disais, mais elle, je l'aime pas. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est encore une de mes meilleures amies. Et je disais, non, mais elle, je l'aime pas. T'es genre, je bitchais sur elle. Alors, je la connaissais pas. Bon, oui, j'ai, moi aussi, hein, je n'ai pas toujours été un modèle de comportement. Bref. Et aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies. Donc, on a souvent des jugements hâtifs et... Toi aussi, ça t'arrive tellement souvent. Non, mais grave. Donc, c'est hyper intéressant de remarquer ça. Bien sûr, il faut se fier à son instinct, mais il faut aussi laisser la chance aux gens. Mon meilleur pote, je l'ai saoulé toute la première semaine de promo. Mais moi, très souvent, on m'a dit « Ah là là, mais tu vois, je pensais pas qu'on s'entendrait bien, nanana, et tout. » Enfin, tu sais, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça. Qui est-ce qui m'envoie un petit popcorn par message privé ? J'ai personne d'avance. Envoyez-moi un popcorn par message privé. Envoyez-moi un popcorn. Non, à l'époque, j'avais giflé une fille qui m'a meilleure amie depuis 15 ans. Ah bon ? Et pourquoi t'as giflé cette fille ? Parce qu'on est contre la violence, nous, Lius. Hein. Aujourd'hui, quand ça m'arrive, je cherche à savoir pourquoi je l'aime pas, pour être sûre de moi. Je suis d'accord avec toi, moi aussi. Moi aussi, et notamment, je cherche à savoir si c'est parce que ça me renvoie à quelque chose que je n'aime pas chez moi. Parce que c'est très souvent ça, en fait. Et c'est hyper intéressant, parce que du coup, ça te fait travailler sur toi-même, etc. Enfin bref, essayer de comprendre de toute façon les cordes sensibles de nos petits cœurs, c'est toujours très intéressant. De base, je n'aimais pas mon conjoint actuel parce qu'il ne me disait pas bonjour. Maintenant, on est ensemble et ça fait 6 ans. Ah oui, d'accord, effectivement. J'espère que maintenant, il dit bonjour, effectivement, parce que sinon, il va se faire niquer sa mère. J'aimais pas un gars au collège sans connaître et maintenant, on est meilleurs potes, associés et parrains de mon fils. Ah oui, d'accord. Oui, donc effectivement. Comme quoi, il faut pas non plus toujours se fier aux premières impressions, j'ai envie de vous dire. Qui est-ce qui m'envoie un petit popcorn par message privé pour nous raconter vos histoires croustillantes, vos histoires de rupture, vos histoires de trahison, vos histoires de... Oh, allez-y, la ref à Valde, ah, tu l'as capté. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, on est d'accord. Oui, maintenant il dit bonjour. Eh ben ça, c'est une bonne nouvelle. Intuition. Oui, intuition, hein. Mais l'intuition, encore une fois... va avec le jugement. Si t'as une intuition négative sur quelqu'un, c'est que hâtivement tu as jugé cette personne comme pas ok pour toi. Aujourd'hui, je suis une pro love, mais à l'époque, on faisait que de se fighter, mais on n'avait jamais appris à se connaître vraiment. D'accord. Tu regardes Secret Story en parlant d'apparence ? Non, je ne regarde pas Secret Story. Ça ne m'intéresse plus du tout. Avant, j'aimais bien, mais là, honnêtement, déjà, j'ai pas le temps. Et en plus, non, je trouve que c'est un peu bas de plafond quand même. Voilà. Non, ça m'intéresse pas. Allez, qui est-ce qui m'envoie un petit popcorn par message privé ? J'ai personne d'avance, là. Venez nous raconter vos histoires croustillantes. Allez-y, mes enfants. On veut vos histoires croustillantes. Qui est-ce qui a eu une histoire de rupture, une histoire de trahison ? Venez me raconter ça, quoi. T'es pas si mamie que ça ? Parce que je connais Vald. Attends, tu rigoles. Il a pas dit bonjour, du coup, il s'est fait niquer sa mère. Ça date d'il y a au moins 15 ans, ça. Donc si, c'était l'époque où j'étais jeune. C'est pour ça que je connais. Aujourd'hui, les nouveaux sons de Vald, je connais pas. Hein. J'allais poser la même question. Vous m'envoyez ?
une petite, un petit pop-corn par message privé pour nous raconter vos histoires de rupture, vos histoires de trahison, vos histoires de je ne sais pas quoi. S'il vous plaît, envoyez-moi un petit pop-corn parce qu'on a besoin de croustiller tous ensemble. SVP, mon Discord. Oui, vous cliquez sur le lien qui vient d'apparaître sur le chat. Merci, Mopinou. Vous allez arriver sur mon Discord et là, vous allez me trouver tout en haut. Moi, c'est Nag de Dr. Love. C'est WAM. Et tu m'envoies un petit pop-corn ou un petit message privé et puis je t'appelle. Attends, je réfléchis pour une histoire. La semaine prochaine, au pire, j'imagine qu'on ne peut pas passer plusieurs fois. Oh, en soi, si, tu peux. C'est juste que j'aime bien que quand ça se renouvelle un petit peu. 15 ans, peut-être. Pas quand même, Nad. Ah ben, franchement. Alors, 15 ans. Attends, j'ai 32 ans. Je vais avoir 33. En tout cas, au moins 10. Au moins 10 ans, même plus que 10 ans, c'est sûr, parce que j'étais à la fac quand elle est sortie, il est sorti ce son. Donc, c'était il y a au moins 10 ans. Allez, 10 ans, mais pas 15, enfin, peut-être pas 15, mais 10, facile, facile, facile. Bah, allez regarder sur Google, de toute façon, moi je suis en train de streamer, je vais pas aller regarder sur Google maintenant, mais allez-y, hein. Vous nous donnerez l'info claire. Qui est-ce qui m'envoie un petit popcorn pour venir nous raconter son histoire de rupture, son histoire de trahison, son histoire de... T'as un potin, quoi, venez nous raconter les potins, les trucs de what the fuck. Je t'aurais bien envoyé un popcorn, mais je suis au taf, donc obligée de parler en écouteur. Eh ben, c'est pas grave, tu peux parler en écouteur. C'est pas grave, le son sera moins bon, mais vas-y, écoute... Pas encore 10, je crois. On s'en fout. Est-ce qu'on s'en fout? Oui, on s'en fout. Allez, on téléphone à Gertrude ou Alphonse, je ne sais pas. Je crois que c'est une Gertrude. Téléphone à Gertrude. Pourquoi j'ai arrêté mon petit rêve? Parce que c'était trop dur émotionnellement parlant. Tu sais, c'est comme 13 Reasons Why. 13 raisons de Taylor, enfin le truc de Selena Gomez là. Je l'ai arrêté là aussi, j'ai pas regardé le dernier épisode, c'était trop dur pour moi. Je remarque que quand il y a des scènes de viol, c'est trop dur. C'est trop intense pour moi, je le vis mal, j'aime pas. Allô? Ah mais non, elle est pas là, Gertrude. Gertrude, je t'envoie un petit allô parce que tu réponds pas. Ah, Gertrude, tu as coupé ton micro, faut que tu cliques sur le micro. Juste, voilà, allô? Oui. Salut Gertrude, comment ça va? Tu m'entends? Oui, je t'entends, et toi-même? Ok, super. Ça fait super bizarre de t'entendre. Mais pourtant, tu m'entendais déjà juste avant au live, c'est juste pareil. Ouais, mais là, c'est comme si j'étais au téléphone avec une copine et on n'est pas copines, quoi. J'attends, mais si, on est copines, bien sûr, tu rigoles, tu viens participer à mon live, on est copines, moi je te le dis. Alors raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante? Alors ça remonte à un petit moment déjà, donc j'avais 20 ans. Et j'avais emménagé, ça faisait 4 ans que j'étais avec donc mon ex. Ouais. Et on avait emménagé, donc ça faisait 3 mois qu'on avait emménagé ensemble. Et la relation a commencé à se détériorer. Donc il s'éloignait de plus en plus, il jouait à des jeux vidéo, enfin bref. Et un jour, je sais, il faut pas le faire, mais bon, et j'ai fouillé dans l'ordinateur. Et je me suis aperçue donc qu'il me trompait, qu'il envoyait des... photos à sa meilleure amie qui était lesbienne, des photos très explicites de son anatomie intime, bien comme il faut, hein, de son anatomie intime. Ouais, tout à fait, dans des positions très explicites et franchement, j'ai jamais vu de telle position, quoi. Mais attends, mais pourquoi il faisait ça si elle était lesbienne? Elle était pas du tout lesbienne en fait. Bah, elle disait aimer les femmes, mais que... mais attends, je te raconterai après. Pardon, vas-y, trop curieuse. Parce qu'après, elle est venue me parler. Ah. Et donc, voilà, je vois ça. Et puis, ok, je dis bon, j'annonce la rupture et tout. Il est tout à fait d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de problème, on peut se séparer en bon terme et tout ça. Ok, je déménage mes affaires et tout. Ah putain, t'habitais avec lui en plus. Oh là là. Ouais, attends. Et j'espère qu'il n'y a pas de flics sur le live. Hein. Et donc, j'ai fait un double des clés de l'appartement. Et donc, pendant plusieurs mois, je me suis rendue à l'appartement et j'ai fait des petites conneries, genre lui niquer la PlayStation, aller sur les sites de rencontres où il s'était inscrit pour liker des femmes qu'il aurait jamais likées en temps habituel et lui défoncer ses abonnements. Attends, Gertrude. Alors, c'est très croustillant, mais c'est ultra grave ce que t'as fait. Ouais, alors, oui. Et alors, lui, il a fait quelque chose d'horrible. Attends, non, mais... alors, oui, t'as manqué de respect, il t'a humilié, il t'a trompé. Non, c'est pas tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'avais un animal... Je l'ai laissé en garde chez lui le temps que je puisse redéménager chez ma mère et il l'a tué.
Waouh! Ouais. Alors, oui, c'est très très grave. C'est un gros connard. Donc voilà, et comme je ne peux pas ni le tuer, ni lui casser la gueule, bah, j'ai préféré faire des petites vengeances comme ça, histoire de me soulager. Oui. Alors, oui, mais... Waouh! Parce que attends, ouais. Moi, tu nous as pas raconté les trucs dans l'ordre, là. C'est-à-dire que vous vous êtes séparés, t'as capté qu'il te trompait avec sa meilleure amie, ok? Mais à quel moment tu lui as laissé ton animal? C'était avant ou après? Alors ça, c'était avant. Alors, moi, machin, on savait que ça allait plus très bien et tout. Je me disais, écoute, je vais peut-être déménager chez ma mère, histoire qu'on prenne un peu des distances et tout. Il me dit oui, oui. Et c'est après donc que j'ai vu qu'il y avait les photos et tout. Et à ce moment-là, moi, je lui ai rien dit. Et je voulais vraiment partir au plus vite. Et c'est à ce moment-là que ça s'est passé avec, avec l'animal. Waouh. Waouh. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est complètement hallucinant. T'as porté plainte contre lui? Parce que pour le coup, il risque gros à tuer un animal. Hein. Ah, mais j'y suis allée. Et les flics ont refusé de prendre ma plainte en disant que comme il n'y avait pas de preuves, comme il n'y avait aucune image, aucun rien, et ben que voilà. Même le vétérinaire a attesté qu'elle avait subi un énorme coup violent et que c'était ça qui avait entraîné le décès. Et ben, les flics, ils n'ont rien voulu savoir. Je suis allée voir une avocate et elle m'a dit il n'y a pas assez de preuves. De toute façon, ça sera classé sans suite, même s'ils acceptent et qu'il n'y aura rien. Mon Dieu, mais quel enfer, mais quel enfer. Et t'es resté combien de temps avec ce mec? 4 ans. Mais il avait déjà eu des... Pourquoi il a fait ça, du coup? Bah parce qu'il savait que les animaux c'était ma vie et que c'était le seul moyen de m'atteindre. Mais pourquoi il voulait t'atteindre? Il t'a déjà atteint, il t'a trompé avec sa meilleure amie. Ah oui, mais ça au départ il n'était pas au courant. Ça il n'était pas au courant, mais je sais pas. Une crise de folie passagère, je n'en sais rien. Il a toujours nié en bloc et voilà. Waouh. Putain, c'est ultra chaud. Oh là là, j'ai envie de pleurer pour toi, quoi. Oh, mon Dieu. Pff, ok, et donc tu t'es vengé comme ça. Alors bon, ça reste... Il faut pas faire ça, mes enfants, mais du coup, je comprends un peu mieux. Bon, et alors raconte, t'as fait quoi avec ces clés, du coup? Donc, je suis rentrée dans l'appartement, j'ai défoncé donc des trucs sur la PlayStation, histoire qu'ils peuvent plus s'en servir. Je suis allée donc sur son ordinateur, il s'était inscrit à plein de sites de rencontres en payant des abonnements pour pouvoir parler aux nanas. Et moi, je suis allée parler à des nanas, liker des nanas que lui, il aurait jamais liké de sa vie, ce qui fait que je lui ai défoncé tous ses abonnements. Ouais. J'ai fait plein de trucs comme ça. J'ai mis du poil à gratter dans son lit, voilà. Plein de trucs où... Voilà, il a dû se dire qu'il devait avoir... Alors, Amélie Poulain, tu sais, vous avez... T'as la ref ou pas, Gertrude, dans Amélie Poulain? Elle fait ça aussi pour se venger. Elle prend le bout d'une clé de son voisin qu'elle aime pas, qui maltraite Jamel dans l'histoire. Et justement, elle fait que des trucs comme ça pour rendre mindfuck. Parce que c'est fin, hein. Le poil à gratter dans le lit, c'est très très fin comme... revanche, tu vois. Ouais, on a beaucoup d'imagination dans ces moments-là. Quand est-ce que tu as arrêté, du coup, de faire ça? Alors, j'ai arrêté de faire ça. Ça a bien duré 3-4 mois. Et puis après, ma vie a changé. J'ai eu un nouveau boulot et tout ça. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête pour mon bien-être et que j'arrive à faire mon deuil. Et que, oui, parce que pour le coup, les enfants, je le rappelle, c'est complètement illégal de faire ça, faut surtout pas faire ça. Ouais. Encore une fois, on saisit bien les raisons pour lesquelles tu t'es comporté comme ça. Il n'empêche que bon, faut surtout pas faire ça. Alors c'est croustillant, donc je voulais quand même savoir, et puis on en rigole maintenant. Mais voilà, surtout il faut pas faire ça. Et tu sais quoi? Sache que tu n'es pas la seule à faire ça. J'ai déjà eu une histoire comme ça, où une nana m'avait appelée pour me raconter que, pareil, elle s'était séparée de son mec... Et bon, ils avaient vécu ensemble et donc elle était partie et puis elle avait toujours un double des clés. Et en fait, elle, pour le coup, elle a continué à utiliser son double des clés, mais pas pour faire des mauvaises blagues à son ex. Elle a continué à utiliser le double des clés pour espionner son ex. C'est-à-dire que lorsque elle savait qu'il était au boulot, elle rentrait chez lui. Et elle vérifiait s'il y avait des capotes dans la poubelle, s'il y avait des traces d'une autre meuf qui serait passée, etc. Et elle a fait ça pendant des mois. Et quand elle m'a appelée, je lui ai dit, il faut absolument que tu arrêtes de faire ça, c'est super grave, c'est de l'espionnage, c'est absolument pas légal, et surtout, c'est ultra grave, quoi. Donc, je pense que quand on en arrive à faire ça, il y a quand même quelque chose,
un bout de raison qui a quitté ton cerveau. Pour le coup, bon, bah, toi, c'était cette raison-là. Enfin, bon, et s'il a tué ton animal de compagnie, c'est ultra grave et ça t'a fait perdre la raison malgré tout. Tu sais, il y a un moment, tu snaps quand même. Si tu fais ça, tu snaps. Hein. Bah, elle, c'était pareil, quoi. Elle était tellement dans le désespoir par rapport à ce mec que, bah, elle avait complètement snappé en mode non, bah, même si on n'est plus ensemble, bah, j'ai le droit de le faire, etc. Donc voilà, non, non, non. Si on en arrive à là, c'est quand même qu'il y a quelque chose de pas normal et effectivement, il ne faut pas. Faut pas faire ça. Bah écoute, en tout cas, merci pour ton histoire qui, pour le coup, était très croustillante et aussi tragique. Mais merci, ma Gertrude. De rien, avec plaisir. On te fait des gros bisous. À bientôt. Bisous. Ciao. Au revoir. Non, mais quel enfer. Quel enfer. Il faut quand même rappeler qu'il y a des gens qui vivent des trucs de ouf. Hein. Alors, excusez-moi. Mon mec m'envoie une demande. Il veut que je lui envoie une photo que j'ai prise. En attendant, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'envoyer un petit popcorn par message privé pour que je vous... voilà, ça y est, vous voyez, je suis très rapide. Pour que je vous appelle, pour qu'on discute ensemble de vos histoires croustillantes. Pour le coup, c'était croustillant. C'était tragique, mais croustillant. Les prochains mecs de Gertrude en sueur, grave. Même si, comment vous dire, elle a fait des mauvaises blagues pour le faire chier. Je trouve ça moins inquiétant, bizarrement, que d'aller espionner quelqu'un en mode « je regarde dans la poubelle et tout ». Même pour sa propre santé mentale, ça aide pas de passer à autre chose, de continuer à espionner. Non mais grave, grave. Enfin, c'est pas possible, faut pas faire ça. J'ai une histoire, mais elle est très courte. Bah oui, allez-y. Mais c'est comme, tu sais, les gens qui se séparent, mais qui ont toujours les mots de passe de l'autre, et du coup, qui continuent à espionner la vie. J'ai une copine de copine qui fait ça. Elle va se marier bientôt. Elle a toujours les mots de passe de son ex qui, pour le coup, mais une histoire complètement hallucinante. Ou vraiment, mais il avait une double vie, bref. Elle a toujours les mots de passe de son ex et elle continue de l'espionner. Alors qu'elle va se marier. T'es... Moi, je lui dis, meuf, pourquoi tu fais ça? Enfin, juste, tu vas te marier, vas-y, regarde de l'avant, tu vois. Arrête de cultiver cette espèce de rancœur ou quoi que ce soit. Parce que si tu continues d'espionner, c'est que tu continues de t'en avoir quelque chose à foutre, quoi. Or, l'idée, c'est justement, mais genre, passe à autre chose, tu vois. Il y a beau, on croit. Tu sais, enfin, vous savez, parce qu'on est quand même nombreux sur le chat, personne n'en parle de ça, parce qu'en vrai, t'as honte si tu le fais. Tu sais très bien qu'il faut pas le faire, et donc t'as honte. Malheureusement, c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit, et c'est la raison pour laquelle, vraiment, je vous invite toutes et tous, si vous êtes séparés ou quoi que ce soit, alors, à changer la serrure, peut-être pas, quand même, parce que normalement, le délire du goudou des clés, c'est censé être très très rare. En revanche, changez vos mots de passe, les enfants. Changez vos mots de passe. Ça existe vraiment, des gens qui continuent de venir fouiller encore des années après. Changez vos mots de passe. Oui, tu t'auto-détruis à espionner l'autre, mais c'est ça. Et forcément, ça n'aide pas à oublier. Mais exactement, mais d'ailleurs, de la même façon que quand tu fouilles dans un téléphone, tu checkes un Insta ou tu stalks, parce qu'en vrai, fouiller la boîte mail de quelqu'un ou aller le stalker sur Insta, même combat, hein, tu cherches des infos sur l'autre parce que tu veux savoir ce qui se passe dans sa vie. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est quelqu'un qui n'est plus dans ta vie, c'est quelqu'un que tu ne veux plus dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi tu continues à y aller? Et justement, l'effet pervers, c'est que plus t'y vas, plus t'y vas. Plus t'y vas, plus t'as envie d'y aller. Parce que t'as envie de savoir la suite du feuilleton, tu vois. Donc non, il faut jamais faire ça. Il faut jamais faire ça. Et moi, je sais que du coup, parce que ce genre d'histoire, etc., j'ai mis vachement de temps à donner mes mots de passe à mon mec. Après, moi, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble, mais... 7 ou 8. Bon, bref, on s'en fout. Je sais que vraiment, mais les 2-3 premières années, je tapais mon code. Et je voulais pas savoir le sien. Et au bout d'un moment, t'es en mode, il est en mode, bon alors reviens, taper ton code et tout, tu lui dis le code, et puis tu lui dis, tu lui répètes. Mais quand même, mon ex parlait à toutes ses ex, le truc horrible. Ah ouais, t'sais, ça c'est le moment où tu gardes les ex sous le coude, au cas où. Et ça, c'est pas bon du tout. Mais en même temps, qui l'a jamais fait, hein? Qui ne l'a jamais fait? T'es en couple, et en même temps, tu continues de garder un petit truc avec ton ex, au cas où tu te fais larguer, comme ça tu sais que t'as une bouée de secours. Qui ne l'a jamais fait? Mais il y a un moment, faut compartimenter. Mon mec n'a pas de mot de passe, il s'en fout, il me dit « regarde quand tu veux ». Non, c'est pas une question de regarder quand tu veux. C'est vraiment pas ça, c'est une question de... t'as ton intimité, quoi. Le mot de passe de ta boîte mail, le mot de passe, j'en sais rien, moi, de ton compte Insta ou quoi que ce soit, c'est perso, personne n'a à l'avoir, personne. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a tellement personne qui n'a à avoir mon mot de passe Insta que moi-même, je l'ai oublié. Honnêtement, le jour où je dois changer de téléphone, je suis trop dans la merde, je ne connais pas mon mot de passe Insta. Voilà, vous savez tout. Du coup, j'ai récolté les numéros de tous mes amis et organisé un anniversaire surprise samedi. Quel rapport?
J'ai complètement lâché. J'ai pas du tout suivi ton truc. Moi, j'ai jamais gardé contact avec un ex. En même temps, j'en ai pas. Lol. Perso, je suis un mec et ma copine a tous mes codes d'absolument tout. J'ai rien à lui cacher. Encore une fois, c'est pas une question de cacher quelque chose. C'est vraiment une question de faire confiance pour savoir que même si. Évidemment que t'as rien à cacher, mais c'est une question de est-ce que l'autre va aller fouiller ou pas. Enfin, t'es. Enfin bref, si vous captez pas la nuance, tant pis pour vous. Mais c'est pas une question d'avoir quelque chose à cacher ou pas, c'est une question de, c'est mon intimité, et que j'ai quelque chose à te cacher ou pas, tu n'as pas besoin d'avoir la capacité d'aller fouiller dans mes affaires. Voilà, je trouve. Pas grave, oui, c'est horrible. Et de plus, il était jaloux maladif, je l'ai vite quitté, heureusement, pour ma santé mentale. Mais venez me raconter vos histoires comme ça, là! Envoyez-moi un petit popcorn par message privé. S'il y en a d'autres qui ont des histoires d'espionnage, de stalking et tout, balancez! Alors moi j'adore ces trucs-là, hein. Moi, je frémis d'impatience. Tu donnes pas tes codes pour ça? Oui, bah, évidemment, exactement. Moi, je sais que si je suis là-haut et que mon mec, il me dit, c'est quoi déjà ton code pour que je puisse ouvrir ton ordinateur? Je lui donne, et je dis, ah, c'est ça, comment ça s'écrit? Il y a un espace, il n'y a pas d'espace. Voilà, ma copine n'a pas les codes, mais ma maîtresse. Alors, c'est très border comme blague, même si c'est drôle. C'est le principe, en fait, mais tu donnes pas tes codes pour ça, c'est juste pour... Ouais. Ok, on est d'accord. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour discuter de vos histoires croustillantes. On téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse. Téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse, qui est en train de décrire. Donc, allô? Allô? Salut Alphonse, comment ça va? Oh, bonjour, alors, attends, je coupe le son de ton stream parce que je t'entends en double. Oui, en stéréo. Tu m'entends en stéréo? Tu m'entends? Salut, oui, je t'entends bien. Ouais, cool. Alors on t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante? Alors c'est une histoire un peu difficile, un peu dramatique. Ah. Donc, mais d'autre côté, ça me permet de faire... un petit peu de prévention aussi sur ce genre de choses, parce que malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Ok. C'est une histoire d'enlèvement. Ok. Donc, en gros, c'était il y a trois ans, comme ça, à peu près. Moi, je suis un peu stressé, faut que je reprenne un peu mon souffle. Respire un grand coup, tout va bien. Oublie le chat, oublie le live. Concentre-toi. Ça m'a un peu pris par surprise le coup de l'appel, je m'y attendais pas. Ah bah c'est toi qui m'as envoyé un message, Alphonse, tu t'y attendais un peu. Oui, bien sûr, c'est des fois, mais bon, je pensais pas que t'allais... Enfin bref, peu importe. Allez, on t'écoute. Oui, alors du coup, c'était il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Ouais. Je venais de me séparer avec mon ex à cette époque-là, mais bon, ça n'a pas vraiment de rapport. Et à cette époque-là, je fumais régulièrement du cannabis. Ok. Et j'avais envie... Bah, j'avais envie d'en toper parce que vu que je me venais de me séparer, je me sentais pas hyper bien et donc j'avais envie de m'enfler un peu là-dedans. Ok. Et du coup, j'étais allé à un distributeur automatique pour aller retirer de l'argent. Et là, il y a trois types qui sont arrivés de loin et qui sont venus m'accoster. Donc, ils étaient bon, tous les trois assez grands et tout, casquettes, lunettes de soleil, vraiment, je voyais pas leur visage. Enfin, c'était un peu... Ouais, on voit bien le genre. Et, ils étaient en mode, ouais, est-ce que tu cherches un truc et tout, on a des super plans, des prix, mais comme t'as jamais vu ça, enfin, des prix vraiment... pour ceux qui s'y connaissent un peu, ils m'avaient proposé 3,50, 3,50 quoi, 3,50, c'est genre... ça défie absolument toute concurrence. D'accord. Pour de la weed. Enfin, c'est, normalement, le prix, c'est... En tout cas, à l'époque, okay. C'était entre 7,05€ et 8€. D'accord. Bref. Et donc, je leur dis non. Je rentre dans ma voiture qui était garée juste à côté. Je leur dis, bon, bah écoutez, c'est pas grave, je m'en vais, machin. Et sauf que là, il y a un d'eux qui retient la portière. Ah, et du coup, je suis en mode non, mais ça ira, c'est bon, j'ai rien besoin. Et il insiste, et il dit ouais, c'est à côté, c'est pas loin, et c'est juste histoire de 10 minutes, etc. Machin. Et moi, à l'époque, j'étais un peu plus naïf qu'aujourd'hui, on va dire. Et j'aurais très bien pu juste forcer à fermer la porte et démarrer et partir comme okay. Ça, tu vois. Mais bon, je me suis laissé prendre au truc et je les ai emmenés avec moi dans ma voiture. Donc bon, ça partait un peu mal. Et là, on a tourné pendant quelques temps. En vrai, c'était pas si long que ça. On est allé dans une cité, donc de nuit.
La pyramide Et là, il s'est passé une scène absolument... je ne saurais pas comment la décrire, cette scène. C'était vraiment n'importe quoi. Donc, on s'arrête ici. Ils descendent de la voiture. Il y en a un qui reste avec moi. Et les deux, ils s'en vont dans les quartiers. Ils disent, oh, bah, on va chercher la cons, on revient, on fait l'échange ici. Donc, je me dis, bon, bah, au final, ça va. Et en fait, là, ils reviennent sans la cons et avec un autre gars. Et du coup, je me dis, ah tiens, c'est bizarre et tout. Et en fait, ce troisième mec, il était vachement plus agressif que les trois autres, genre vraiment beaucoup plus. Okay. Et il commence à me regarder et il me dit comme ça, ouais, t'es qui? Tu sors d'où? Enfin, what the fuck, qu'est-ce que tu fous là? T'es un flic, t'es sous couverture, t'as un micro, machin. Et genre, il commence à me fouiller et tout, il me palpe partout. Enfin, vraiment, ils me font une fouille au corps pour voir si j'avais pas un micro. Mmh. Il commence à m'enlever, enfin, il m'enlève ma veste de force et tout pour voir si j'avais pas un enregistreur ou quoi, un truc de cachet. Et moi, je suis là, mais non, genre, je suis pas un flic, what the fuck, c'est quoi ces conneries? Et du coup, bon, au final, il voit qu'effectivement, j'ai pas de micro. Et mais il décide quand même de me prendre mon téléphone et mon porte-monnaie. Bon, j'ai évidemment pas dit non parce que face à quatre mecs plus grands que moi, dont un très agressif, j'avais pas envie qu'il m'arrive quelque chose de grave. Donc j'ai dit oui. Donc ils ont pris, tous mes effets personnels, ils ont pris les clés de ma voiture. Et du coup, il y a un des quatre gars, donc le plus agressif, qui se met au poste de conducteur, qui allume le moteur et tout. Il dit « Oh, j'ai envie de conduire, j'ai envie de faire un tour en ville, machin. » Là, moi, je commence à m'énerver parce que je sens que ça part trop en sucette. Ouais. Et là, d'un coup, quand je commence à m'énerver, lui, il sort tout de suite de la voiture, il me prend par le col, il me dit « Ouais, tu vas te calmer et tout, sinon je te défonce la tronche. » Enfin, vraiment, c'était... voilà, c'était... Bon, c'était... Voilà, il s'est passé ça, quoi. Et après ça, bah, du coup, je suis monté dans ma voiture avec eux. D'accord. Et du coup, j'ai été pris... Enfin, c'est à partir de là que les histoires d'enlèvement ont commencé, parce que du coup, j'ai été pris en otage dans ma propre voiture avec eux, en fait. Parce que du coup, j'étais avec eux. Mais ils ne voulaient pas me redonner mon téléphone et mon porte-monnaie. Du coup, je ne pouvais appeler personne. Je ne pouvais pas faire quoi que ce soit. J'étais complètement bloqué. Et heureusement, il y a mon ex, du coup, qui a... Enfin, voyant que je répondais plus depuis pas mal d'heures déjà, c'était fait au moins 3-4 heures, elle commençait à appeler et à spammer les appels. Alphonse, on continue. Alphonse, je comprends pas, je croyais que c'était la nuit, elle dort pas ton ex, enfin, et puis t'es séparé de ton ex, pourquoi elle t'appelait? Pourquoi elle m'appelait? Bah, parce que c'était... je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je pense qu'elle devait s'inquiéter, je pense qu'elle devait se dire, je sais pas, il y a... Présentiment. Parce que, en général, quand elle envoyait des messages et que je répondais pas, elle forçait de ouf à l'époque pour que je réponde absolument. Et bon, là, voyant que je répondais pas, je pense qu'elle a dû, elle a dû vouloir forcer. Enfin, bref, mon ex, c'est une autre histoire qui est très différente. Okay. Et là, du coup, au bout d'un moment, un des gars décroche, il discute avec elle et tout, et elle spam d'appels encore et encore et encore et encore et encore et encore. Malheureusement, ça n'a pas fait grand-chose. Moi, je n'entendais pas la conversation. Donc, je ne sais pas trop ce qu'elle a dit à ce moment-là, enfin, ce qu'elle disait lors de ses appels, je ne sais pas trop. Mais ça n'a pas vraiment trop fonctionné. Ouais. Et ils ont fini par me lâcher à 7h du matin parce que j'avais plus d'essence. En fait, ils ont cramé toute l'essence qu'il y avait dans mon réservoir. Parce qu'ils ont fait des tours, mais... Enfin, je sais pas combien de tours on a fait exactement, parce que à ce moment-là, moi, dans ma tête, j'ai eu un peu une espèce de déconnexion, en fait. Genre, j'étais plus vraiment là, quoi. J'étais un peu, je sais pas trop. Enfin, j'étais plus là, quoi. Ok. Et donc, ils ont fini par me lâcher. J'avais quasiment plus d'essence. La voiture galérait un peu à démarrer, mais j'ai quand même réussi à rentrer chez moi au final, alors qu'il faisait jour. Et t'as récupéré ton téléphone et ton portefeuille? Oui, j'ai récupéré mon téléphone, mon portefeuille, mes clés. J'ai tout récupéré, ils m'ont tout laissé dans ma voiture. Et ils m'ont demandé mon numéro de téléphone parce qu'ils m'ont dit « Oui, on va te donner ta cons et tout, parce qu'on n'est pas des voleurs, on n'est pas des enfoirés, on n'est pas des machins. Donc donne-nous ton numéro et comme ça, on pourra te recontacter pour te filer ce qu'on te doit et tout. » Et moi, sur le coup, vu que j'étais complètement déboussolé, je leur ai vraiment donné mon numéro. Bien sûr, je comprends tout à fait que tu l'aies fait. Hein. Vraiment, je comprends. Parce qu'imagine, tu donnes un faux numéro, ils essaient de t'appeler sur le moment, ils se rendent compte que tu donnes un faux numéro, et là, ils t'éclatent la gueule. Enfin, tu sais, juste, c'est pas le moment, quoi.
Ouais, enfin, non, bon, en tout, j'ai réagi comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, au final, je suis rentré chez moi et bon, tout allait bien. Et j'ai juste reçu un appel des mois plus tard. J'ai bloqué le numéro, liste noire. Enfin, voilà. Putain. Moralité, n'allez pas retirer des sous tard la nuit tout seul. Voilà, donc moralité, ne sortez pas de chez vous tard la nuit tout seul. Ne faites pas ça. Voilà, c'est ce genre d'histoire. S'il y a des gars grands, baraques, qui ont l'air un peu menaçants, il ne faut pas les laisser rentrer dans sa voiture. Voilà, aussi, également. Mais surtout, c'est moi ce que je voulais partager comme message avec ce qui m'est arrivé avec cette histoire, c'est que ça peut arriver à tout le monde, en fait. Genre, moi, avant que ça m'arrive, j'étais le genre de mec voilà, qui s'en fichait un peu, qui se disait que bah, il peut rien m'arriver, je m'en fiche, ce genre de choses, ça arrive aux autres, tu vois. Mais en fait, non, ça peut arriver à tout le monde, n'importe quand. C'est un truc. Donc, soyez toujours vigilants, faites un peu attention, parce que c'est, voilà, ça peut vraiment arriver à n'importe qui, n'importe quand, quoi. Mauvais endroit, mauvais moment, ça vous arrive et paf. Ah ouais, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Écoute, merci pour cette histoire, pour le coup, très très croustillante, et surtout, mais mon Dieu, mais... T'as eu de la chance qu'il t'arrive rien, quoi. Oui, ben en fait encore aujourd'hui, c'est pas trop quel avis avoir sur ça parce que c'est vrai que est-ce que j'ai réagi correctement, je sais pas. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait, je sais pas. Enfin, j'en sais rien. En tous les cas, il m'est rien arrivé. Ouais. Et c'est le principal. Mais tu sais quoi ? Moi, je suis assez convaincue que t'as réagi correctement parce que dans ce genre de situation, ça me fait un peu penser à t'sais, si t'es pris par le courant, on dit qu'il faut se laisser prendre par le courant. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Bah, ouais. Là, j'ai l'impression que, du coup, ok, t'as pas forcé, t'as pas lutté, juste tu t'es laissé prendre par le courant. T'as juste attendu qu'il se lasse. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Alors, ça a duré toute la night, mais au moins, bah ouais, tu t'es laissé prendre par le courant, ok, bon, bah voilà, c'est bon, ah, vas-y, c'est chiant. Et hop, t'as pu rentrer chez toi. Moi, j'hallucine qu'il t'ait rendu et ton téléphone et ton portefeuille. Enfin. Non ? Ouais, bah c'est à ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de chance. Après, j'ai quand même perdu beaucoup d'argent parce que ça, je l'avais pas précisé pendant l'histoire, mais ils se sont arrêtés à beaucoup de stations essence différentes et en fait, ils ont fait plein d'achats sans contact et tout. J'ai perdu 400 balles ce soir-là. Ah, les bâtards. Donc, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, ils ont eu un moment de lucidité. Ils se sont dit, on a pris un mec, on l'a gardé en otage avec nous, on lui a piqué sa carte, on lui a pris plein de thunes. Peut-être qu'ils se sont dit, ouais. Si jamais il porte plainte, ça peut vraiment nous foutre dans la merde. Donc, D'autant plus que t'étais allé dans la cité en question, donc tu savais à peu près par où aller les chercher aussi. Ouais, je connaissais l'adresse et tout, j'avais les numéros, enfin j'avais toutes les infos, quoi. Donc, enfin toutes les infos. J'avais pas leur visage parce qu'ils étaient moitié camouflés, donc je savais pas vraiment à quoi ils ressemblaient, mais je savais où c'était, quoi. On est d'accord que t'as pas porté plainte. Non, j'ai pas porté plainte. Non, j'étais trop occupé à réussir à ressortir dehors sans faire d'attaque de panique à ce moment-là. Non, mais grave, parce que attends, t'as mis du temps à te remettre de cette histoire, non ? Ça m'a pris un mois, ouais, pour réussir. Parce qu'en fait, après cette histoire-là, j'arrivais pas à sortir dehors. Et du coup, j'avais peur de rester dans cet état où je restais bloqué chez moi et j'arrivais plus à sortir. Et du coup, je me forçais à sortir dehors, mais juste pour faire genre 10 minutes de marche, le tour du quartier ou quoi, mais vraiment, je me forçais à sortir tous les jours pour vraiment essayer de, voilà, de pas, bah, de passer au-dessus de ça, quoi, parce que je voulais pas rester bloqué chez moi par peur de, que ça m'arrive à nouveau, quoi. Et comme le souligne très justement Akani, ça donne une excellente raison pour arrêter de fumer. Ah oui, ça, oui, en effet. Là, ça passe l'envie. Ça donne une très bonne raison. Waouh, putain, mais écoute, mais quelle histoire, waouh. C'était il y a longtemps ? Oui, c'était il y a plusieurs années maintenant. Ouais. Okay. C'était il y a un petit moment. Après, c'est un événement marquant. J'en parle encore un peu avec le cœur qui bat très vite, mais c'était il y a quelques années déjà. Okay. Bah écoute, merci pour ton histoire. Merci de nous l'avoir partagée parce que pour le coup, c'était une bonne série Netflix et en plus, bah, c'est quand même intéressant de savoir si que ça existe en fait, hein. Que ça existe et que ça arrive. Oui. On te fait des gros bisous. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. À bientôt. Prenez soin de vous. Toi aussi. Ciao. Ciao. Oh pardon, ça me rappelle une histoire putain que mes frères ont vécu. Mon frère il adore tout ce qui est voiture, moto et tout et je sais plus. Moi j'étais avec mon mec tranquillement à la maison. Je sais pas, il était tard, il était 23h 23h. À l'époque je n'avais pas d'enfant encore donc c'était il y a un moment. Et oui fumer c'est mal. Et mon frère m'appelle à 23h en larmes. Nadia, je suis au commissariat, faut que tu viennes me chercher. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu viennes me chercher, s'il te plaît, viens me chercher. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, mon frère, il était allé
Bon, déjà, il a vu une annonce sur le bon coin d'un scooter, et un scooter pas cher du tout. Et il était dans, dans son délire de j'achète des scooters, je les retape et je les revends. Et donc, il est allé chercher son scooter à Saint-Denis. Trop bonne idée, un scooter vraiment pas cher à Saint-Denis, mais quelle bonne idée. Quand même, il est pas fou, il s'est dit tiens, je vais y aller avec mon... Donc, ils sont allés tous les deux, mes frères. Et donc, il arrive à Saint-Denis, et puis il voit un mec, il dit ouais, c'est bon, t'as la fraîche, parce qu'évidemment, c'était en liquide. Il dit ouais, ouais, c'est bon, j'ai la fraîche et tout. Il dit attends, bah j'arrive, j'ai cherché le scooter. En fait, il va pas chercher le scooter, il va chercher ses quatre potes. Et donc, il s'est arrivé à 5. En disant, allez, maintenant, tu nous donnes ton téléphone, ton, la thune, évidemment, ton portefeuille, les clés de la voiture, parce qu'ils étaient venus en voiture. Enfin, bref. Et donc là, évidemment, mon frère, en mode trop vénère, il se laisse pas faire. Et sauf que les gars, ils sont hyper malins. Ils ont des pompes au poivre. Et donc, ils les ont pchitées à de bombes au poivre. Ils ont commencé à les rouer de coups dans tous les sens et tout. Donc, évidemment, au bout d'un moment, mon autre frère, il lui dit, allez, c'est bon, lâche-lui tout, enfin, qui nous foutent la paix, quoi. Donc, il leur lâche les téléphones, les portefeuilles, les clés de la bagnole, la thune, tout. Et, ils sont, et en attendant, ils sont aussi aspergés de bombes au poivre. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé une bombe au poivre dans votre vie, mais en fait, c'est ultra violent, ces trucs-là. Parce que donc, 3 heures plus tard, une fois qu'ils ont réussi à aller chez les flics, retrouver mon téléphone, parce qu'en fait, la vérité, c'est que mon frère, bah, il avait mon numéro sur son téléphone, mais il ne l'avait pas tout court, mon numéro. Donc bref, il a pu, parce qu'il connaissait le numéro de mon père par cœur, donc il a appelé mon père, qui lui a donné mon numéro pour qu'il puisse m'appeler. Et moi, je suis allée le chercher chez les flics. Enfin, les chercher chez les flics. Je vous jure, mes deux frères. Déjà, j'arrive et tout de suite, je vais pour leur faire un câlin en mode qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit, me touche pas. Me touche pas, je suis plein de bonbons poivre. Je fais quoi? Et j'ai quand même eu le temps de lui faire ça. Ah, je vous jure, ça me brûlait. Ça me brûlait toute la peau. Alors que ça faisait 3 heures qu'ils avaient été aspergés. Et après, les deux, ils étaient à l'arrière de la voiture avec les fenêtres grandes ouvertes. Je vous jure, ça me brûlait les yeux. Un truc de dingue. Donc faites attention à vous. Hein. Ça arrive quand même très, 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 très souvent. C'est là que je vois, c'est tranquille chez moi. C'est les dealers qui s'occupent des gars qui me suivent. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour vos histoires croustillantes. On téléphone à quelqu'un d'autre. On téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse. Téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse. Téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse. On attend qu'il ou elle réponde. On a déjà tenté de me raconter en cité à la bombe au poivre. Ma PSP à l'époque, putain, le combo dragonneau au poignet plus lunettes m'a sauvée. Ah ouais? Ah bah bien vu, bien vu. Tu vois comme quoi la dragonne sert à quelque chose. Allô? Allô, allô? Salut Alphonse, comment ça va? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, nickel, nickel. Alors, on t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante? Alors, du coup, c'est une histoire, c'est l'histoire d'avant qui m'a fait penser à celle-là. Ouais. Donc, en gros, c'est assez simple. C'était une soirée d'anniversaire en Bretagne, dans une grande ville, dans une boîte. Ouais. Donc, toute la soirée se passe. La soirée se passe bien, et on décide de sortir de la boîte à l'heure où ça ferme, à peu près. Et en sortant de la boîte, on voit une fille qui est accompagnée plutôt de force par quelqu'un dans la rue, comme ça, et il la met dans un parking derrière, donc le parking de la boîte. Donc nous, on trouve ça étrange. On va pour voir les videurs en leur soulignant qu'il y a une fille qui s'est fait ramener à peu près de force, qu'elle n'avait pas l'air de marcher très droit. Ouais. Ils font mine de ne pas nous entendre, de ne pas nous écouter. On insiste. Au final, ils commencent à nous parler. On était un groupe de 10. Et donc, au fur et à mesure, ils nous demandent de libérer l'espace et de rentrer chez nous. Et ils gardent que les 3 plus virulents, donc moi et 2 autres de mes potes, ils nous disent, vous inquiétez pas, on va vous montrer la fille, comme quoi elle va bien. On se dit, ok, pas de souci. Du coup, on attend, on n'est plus que 3. Et donc là, un des videurs vient me voir en me disant, viens avec moi, je vais te montrer que la fille va bien. Du coup, je comprends qu'il savait très bien de quelle fille je parlais. Et du coup, que le parking était à la boîte. Donc là, il me fait rentrer par une entrée bizarre. Je fais tout le tour de la boîte par derrière et j'arrive dans le parking. Et au moment où j'ouvre la porte, du coup, il y a le videur et 3 autres videurs. Et du coup, il me chahute un peu en me faisant comprendre que je fous la merde devant la boîte, que je parle trop fort et que tout le monde entend ce que je dis et que ça fait pas leurs affaires. Et donc, il m'amène près de la voiture où la fille est, qui est du coup totalement inconsciente sur la plage arrière, avec un mec devant dans la voiture, donc le mec qui l'a ramené de force, et il me dit, c'est bon, tu l'as vu, maintenant tu peux y aller. Et je fais, moi, c'est bien, enfin, je l'ai vu, mais je veux savoir si elle va bien. Et ils me font, ouais, ça, c'est pas ton problème. Et du coup, ils me raccompagnent dehors de force. Là, on insiste encore un peu. Et au bout d'un moment, ils me font, ok, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous.
Et du coup, on reste là. On dit non, non, mais c'est bon. Enfin, on sent que ça va partir très mal. Du coup, on commande un Uber. Et du coup, ils prennent notre téléphone et ils annulent le Uber. Ils nous font pas besoin de Uber, on va venir vous chercher. Et donc là, bah, on n'a pas le choix. Enfin, on ne peut plus bouger dans tous les cas. Et donc, il y a une voiture qui arrive. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein. Enfin, un type BMW 4x4, quoi. Mmh. Et donc là, ils ouvrent les portes, ils nous mettent de force. Moi, je me retrouve à l'avant. Et donc, tout du long, le chauffeur, il a son téléphone, il envoie des messages. Évidemment, on arrive dans un endroit bizarre, il nous fait sortir. Il nous demande de tous nous mettre contre un mur. Et au final, plus de peur que de mal, parce qu'il nous fait juste la morale pendant 15 minutes. En fait, c'était le patron de la boîte qui, du coup, s'est déplacé pour venir nous chercher et nous a fait comprendre que on avait ruiné la soirée à la sortie, qu'on avait fait chier tout le monde, qu'on avait parlé d'un truc qui avait... Enfin, ils n'avaient pas envie qu'on parle et que ça pouvait salir l'image de la boîte. Du coup, il a pris en photo nos cartes d'identité et tout ça. Et du coup, on ne peut plus aller dans cette boîte. Et il nous a dit que la prochaine fois, ça ne s'arrêterait pas les paroles et que il retenait nos têtes et nos prénoms. Et voilà. Et, parce que tu as voulu éviter qu'une meuf se fasse violer. Comment ? Parce que tu as voulu éviter qu'une meuf se fasse violer, tu n'as plus le droit d'aller dans sa boîte. Ouais, c'est ça. Mais après, ce n'est pas une boîte où j'allais de base. Enfin, c'était la première et la dernière fois, de toute façon, dans tous les cas. Et en fait, on faisait remarquer la chose devant tous les gens qui sortaient, en fait. Et ça n'a pas plu. Et la personne qui était avec la fille avait l'air d'être connue des videurs. Ça avait l'air d'être un de leurs potes. Donc, je ne sais pas trop. Le parking, c'était le parking de la boîte. On ne pouvait y accéder que si on était un videur ou avec un videur. Donc, c'était assez bizarre. Waouh, putain, c'est chaud. Ouais. Mmh. Oh. Mais du coup, ça motive à... Okay. Ouais, parce que nous, on faisait juste une bonne action. Enfin, on pensait faire une bonne action, mais au final, Mais bien sûr, vous avez fait une bonne action. Évidemment que vous avez fait une bonne action. Vous avez eu raison. C'est la culture du viol, ça. C'est oh là là, cherche pas trop les téléphones, sinon tu nous emmerdes. Non, mais c'est ultra chaud. Et ouais, vous avez pas appelé les flics, évidemment. Non, du tout. Bah, après, on était dans tous les cas. Il y avait des videurs tout le temps à côté de nous. Mais les videurs, comme je sais plus, il y a eu. Les videurs, c'est. Enfin, t'es. Les videurs, c'est pas forcément des personnes morales. Il y a quelqu'un qui disait qu'il y a un videur qui lui a dit t'as de la chance que le patron te protège parce que moi, je t'aurais violé depuis longtemps. Moi, combien de fois je me suis fait lourdement draguer par des videurs aussi, tu sais. Enfin, les videurs, c'est pas des paroles d'évangile, hein. Ah, ça, clairement pas. Donc, vraiment pas. Non, c'est hyper grave ce que tu nous racontes. Mmh. C'était il y a longtemps ? Non, en fait, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était début d'année scolaire, donc vers octobre-novembre, je dirais, à peu près. Mais c'est pour ça, tu vois. Franchement, mes enfants, surtout les filles, parce que à la limite, les mecs... Ouais, surtout les filles, clairement. Mais faites attention à votre consommation d'alcool. Ne vous mettez pas dans des états pareils, dans des endroits comme ça, quoi. C'est trop sulfureux. Si tu veux te mettre une bonne grosse caisse, tu le fais chez ta meilleure copine en appartement avec personne qui peut te toucher. Ah, quoi. Oh là là, mon Dieu, mais quelle horreur. C'est mieux. Quelle horreur. Et au final, il nous a quand même vraiment... il nous a fait remonter dans la voiture et il nous a déposé chez nous. Mais du coup, il a insisté pour nous déposer chez nous et avoir notre adresse. Ouais, pour savoir où vous habitez, quoi. Wow, ouais, ça, exactement. C'est ultra chaud. Mais il nous a déposé et on est rentré et voilà. C'est ultra chaud, putain. Quelle histoire. Bah écoute, merci pour cette histoire pour le moins croustillante, tristement croustillante, j'ai envie de te dire. Tristement croustillante. Et on le rappelle, surtout vous, les meufs, faites attention. Une bonne grosse caisse, oui, mais dans des endroits safe, quoi. Une boîte de nuit, c'est par définition absolument pas safe. Merci pour ton histoire, Alphonse. On te fait des gros bisous. Pas de soucis, bonne journée. À bientôt. Ciao. Quelle horreur. Quelle horreur, mon Dieu. Ouais, surveillez vos verres aussi. Grave, grave. Parce que putain, ce qu'il y a dans les verres, honnêtement, on ne sait jamais trop. Hein. Je l'y vois quand même. On n'a pas relevé. Oui, mais on va pas relevé à chaque fois qu'un mec a une voix grave. Parce que bon, il y a des soirées en boîte 100% filles maintenant. Ouais, mais bon, pareil, t'as pas forcément envie. Enfin, c'est ça qui est relou. C'est que oui, il y a une grosse poignée de violeurs et d'agresseurs. Mais il y en a d'autres aussi qui sont clean, quoi. Et c'est pas cool que eux payent le prix des autres, quoi. Un qui fait une connerie pour 1000 qui en payent le prix, comme dirait la chanson. C'est Big Flo et Oli, si vous n'avez pas la ref. J'ai quelques potes vigueurs, etc. Ils font leur taf super bien en étant bienveillants. Mais c'est bien. Mais je peux te dire que c'est pas la majeure partie des gens. Je sais plus, moi, la dernière fois, je sortais avec un mec et le videur m'avait mis une main au cul. Le videur. Et c'était le videur du restaurant dans lequel lui travaillait, mon mec. Et je lui ai dit, putain, te rends compte, il m'a mis une main au cul. Et mon mec m'a dit, si t'as mis une main au cul, c'est sans doute que tu l'as cherché. Voilà. La culture
du viol. Ouais, ouais, ouais. Et je l'ai même pas quitté. Je l'ai même pas quitté. Tellement... Et ouais, ouais, je vous jure. Oui, oui, mon ex, hein, mon ex, évidemment. Évidemment. Ouais, ouais. Il m'a dit... Ouais, ouais, il m'a dit ça, ouais. Il m'a dit, c'est sans doute que tu l'as cherché. Parce que je le connais. Parce que je le connais. C'est pas du genre à mettre des mains au cul aux meufs. D'accord. Alors que moi, du coup, tu me connais pas. Ça faisait presque un an qu'on était ensemble, en plus. Hein. Quand j'y pense, mon Dieu, mais... Si t'as mis une main au cul, c'est sans doute que tu l'as cherché. Surtout que, enfin, j'étais en couple avec lui. J'étais complètement dingue de lui. Il n'y avait aucun monde où j'allais draguer quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, la violence. La violence. Un mec fait ça à ma copine, elle n'a pas le temps pour finir sa phrase. Ah ouais. Tu l'as quitté combien de temps après? Oh, on s'est quitté beaucoup, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Mais bon, bref, c'est une sombre histoire. Mais ah ouais, non, un truc de ouf. Truc de ouf, tout ça parce qu'il voulait pas risquer ta défense. Mais en soi, j'ai besoin de personne pour me défendre. En plus, je cherchais... C'est ça qui me fout la gerbe, c'est que j'étais même pas en mode « Ouais, sérieux, tu pourrais dire quelque chose ?» C'est pas, absolument pas moi, ça. Et c'est ok d'être comme ça, mais c'est, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin de personne pour me défendre, pour dire « Ouais, tu fais quoi ?» et tout. C'était juste... J'allais chercher du soutien, parce que bah, je me sentais agressée, quoi. Ça reste une agression sexuelle de se prendre une main au cul non consentie. Donc, tu sais, je cherchais juste du soutien, quoi. Je cherchais même pas à faire une esclandre. Ah ouais. Vraiment, zéro honneur masculin, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Si t'as mis une main au cul, c'est que tu l'as cherché. Parce que je le connais, c'est pas le genre à mettre des mains au cul. Bah oui, c'est vrai que tu le connais bien, ouais. Effectivement. Truc de dingue. T'étais dans la sidération, OMG, regarde ce qui m'est arrivé. Oui, c'est ça, tu sais, juste, j'avais besoin de soutien, quoi. Enfin bref, c'est quand bien, même tu l'avais dragué. Mais oui, oui, même si je l'avais dragué, ce qui est absolument pas le cas, tu n'as pas à me mettre une main au cul. Enfin... Comment on cherche une main au cul? Non, mais c'est ça! Hey, regarde, tu veux pas me mettre une main au cul, s'il te plaît? Enfin, tu sais, il aurait mérité un coup de genou dans les couilles avec un tu l'as bien cherché. Ouais, grave. Grave. Voilà. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre après cette histoire bien consciente. Tu lui as pas mis une claque en lui disant et celle-là, tu l'as cherchée? Non, parce que la violence ne résout rien. Voilà. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. On peut dire que c'est une montagne de pop-corn. J'ai une histoire où je devais draguer un strip-teaser dans un bar gay. On téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude. Allô? Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors, on t'écoute, raconte-nous cette montagne de pop-corn. Alors, moi, ça va être léger, marrant. Cool. C'est un peu avec ce qui s'est passé avant. J'ai beaucoup d'amis gays, donc on va souvent dans des bars gays. Et il y a un bar à Paris très connu où il y a des strip-teasers qui finissent à poil. D'ailleurs, j'étais moi-même choquée. On m'avait pas prévenu, bref. Ok. Je pensais qu'ils allaient finir avec une main devant et une main derrière. Mais non, c'est plutôt sans les mains. Ok. Et en fait, on est arrivé un peu alcoolisé. Et mon meilleur ami me dit t'es pas capable de draguer le strip-teaser. En fait, au milieu de la boîte, faut savoir que ouais, au milieu de la boîte, il y a un espèce de truc transparent et les mecs sont dedans et ils prennent des douches. Ils se douchent devant le public. T'as une vie de la night sulfureuse, hein, dis donc. Oui. Ok. Oui. Et donc en fait, oui, donc le mec se douche, finit à poil, etc. Et puis après, parfois il va dans le public, j'allais dire, mais dans la boîte, il parle aux gens, etc. Donc là, on m'a lancé ce défi. Donc je me suis dit, allez, je vais le relever, ça va être drôle parce que le mec va être gay et puis il va me prendre une bâche et puis on va rigoler, quoi. Alors que ma Gertrude, quel rapport? C'est pas parce que tu travailles dans un bar gay que t'es gay. Les calculs sont pas bons. Exactement. Parce que dans ma petite tête, c'était ça, en fait. Bah oui, tu te dis, bah logique. Alors que pas du tout. J'ai dit, dans le sang, en fait. Et donc, avant ça, il y avait une fille au bar. Il n'y a pas beaucoup de filles dans les bars gays, donc je commence un peu à lui parler. Et il s'avère que c'était la meilleure amie du mec, du strip-teaser en question. Ok. Et là, elle commence à me dire qu'elle travaille dans le X, etc. Donc on discute et en fait de fil en aiguille, je m'aperçois que bah en fait le gars aussi bosse dans le X. Ok. et donc bon, il finit sa petite douche là et il arrive au bar. Ouais. Et donc je prends un verre et il me dit ah mais non mais moi je suis pas le serveur de la boîte donc je peux pas te servir deux verres. Je me suis dit ah merde comment je vais faire pour le draguer alors parce que moi je suis nulle en drague en plus vraiment je suis mais nulle. Mm-hmm. Et puis avec deux au sang, je pense que ça se voit, donc t'as l'impression que ça se voit pas, mais quand t'es bourré, bah ça se voit en fait. Évidemment.
Et donc je lui dis, ah bah comment je vais faire pour boire un verre du coup, et là et là il va vers le bac à glaçons, il prend un glaçon et il me demande d'ouvrir la bouche et il me met le glaçon dans la bouche. Ok, cela dit, c'est un peu sexy. Exactement, exactement. Et du coup, j'étais morte de rire. Mon meilleur ami, il était vraiment, mais lui, il était mort de rire, il pleurait de rire. Et on continue à discuter un peu. Puis après, il m'a refait la même chose. Il a pris un citron, il a pressé le citron dans ma bouche et tout. C'était n'importe quoi. Et donc, j'ai continué à essayer de draguer. Hein. Moi, je voulais réussir mon pari. En fait, il s'avère qu'effectivement, il n'était pas gay. Oui, bah tu m'étonnes, pour aller te fourrer un glaçon dans la bouche, oui, je pense qu'il n'était pas gay, effectivement, oui. Et du coup, il m'a dit, écoute, là, j'ai encore une prestation tout à l'heure, et après, à telle heure, je sais plus, à minuit ou je sais pas quoi, je sais plus l'heure, bref. Il me dit, il y a mon taxi qui va arriver devant la boîte, donc si tu veux, rejoins-moi, moi, je vais à mon hôtel. Ok. Et je dis, ouais, d'accord. Et je le dis à mon meilleur ami. Alors lui, il était à fond dans l'histoire. Et à l'heure où son taxi arrivait, effectivement, son taxi est bien arrivé parce qu'on regardait derrière la porte de la boîte. On se cachait pour regarder la voiture. Et effectivement, il m'a attendu peut-être 2-3 minutes. Ouais. Moi, je suis pas allée. Non, merci. Et il est monté dans la voiture et il est parti. Et mon meilleur ami m'a dit, mais t'aurais tellement dû monter avec lui. Mais Attends, franchement, tu le connais pas, t'étais alcoolisé. Enfin, c'est un peu. Enfin, tu rejoins quelqu'un, tu vas directement à l'hôtel avec quelqu'un que tu connais pas et t'as quelques coups dans le nez. Non, moi je trouve ça un peu dangereux quand même, non? Non, mais c'est clair. Moi, je voulais pas du tout. À la limite, tu prends son numéro, vous vous revoyez sobre à un autre moment, si c'était cool, tu vois. Mais ah non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça aurait été super dangereux de le suivre dans sa chambre d'hôtel. Ouais, même le numéro, je pense que je suis pas encore assez prête pour sortir avec quelqu'un qui fait des shows à poil et qui fait du X, tu vois. Ça nécessite effectivement une certaine ouverture d'esprit parce que souvent on a tendance à considérer que oui, bah l'intimité de son mec ou de sa meuf, bah c'est pas que ça nous appartient, mais c'est quelque chose qu'on se réserve l'un pour l'autre. Donc effectivement, si t'es pas ok de toute façon avec ça, je suis tout à fait d'accord. Ça sert à rien d'aller s'attacher à quelqu'un dont c'est le boulot, quoi. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, c'était super drôle. Et puis, c'était aussi intéressant de discuter avec sa meilleure amie. Parce qu'en fait, elle, dans l'histoire, elle a appuyé ma candidature, entre guillemets. Parce qu'en fait, elle est allée voir son pote en lui disant « Ouais, elle est trop sympa, cette fille et tout. » Donc, je pense que ça a joué aussi en ma faveur. Et ouais, on a parlé de plein de trucs. C'était super intéressant. Mais voilà, quoi. Donc, finalement, effectivement, pour la conclusion, c'est qu'ils ne sont tous, ils ne sont pas tous gays dans les bars gays. Exactement. De façon logique, d'ailleurs. Oui. Même dans les clients, il y a plein de mecs qui vont aller, je sais pas, pour rigoler ou pour voir un peu l'ambiance, qui seront pas forcément gays. Bah ouais, tout à fait. Et puis oui, et puis ça se trouve il était bi, enfin j'en sais rien, mais c'était super drôle. Franchement, je à refaire. Même je suis capable de le refaire, c'est pas grave. Bah écoute, peut-être même que tu le recroiseras, tu nous raconteras. Mais il est plus en contrat avec le bar, apparemment. Mais comment tu sais ça? Bah, j'ai demandé au serveur. Parce que j'y retourne assez régulièrement, donc si vous me cherchez, je suis dans ce bar. D'accord. Et en fait, les serveurs sont torse nus. Il m'arrive aussi une bricole... assez tard, en fait, les gens commençaient à être alcoolisés et les pauvres, ils sont un peu tripotés et tout. Et ils ramassaient des verres à côté de moi, le serveur qui était torse nu. Et quelqu'un l'a touché, alors que moi, j'étais en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Et il se retourne vers moi et il me dit « C'est toi qui m'as touché ?» Et je dis « Bah non, pas du tout. » Et il me regarde, il me fait un clin d'œil et il me dit « Dommage. Ah bah, c'est bien. » Ah, j'adore. Mais décidément, t'as la cote, ma Gertrude, dans les barguets. Bah, apparemment, hein, donc c'est pour ça que j'y suis assez souvent. Pas folle, la guêpe. Pas folle. Bon, et bah écoute, si tu recroises ton ami stripteaser, tu nous tiendras au courant. Tout à fait, y a pas de soucis. J'adore. On te fait des gros bisous, à bientôt. Ciao. Non mais lol. Mais quelle idée de sortir dans un bar où il y a des hommes qui prennent des douches, mais enfin. Mon père m'a raconté, je savais même pas que ça existait. Il était allé dans une boîte en Angleterre quand il était plus jeune, il s'est séparé. Hommes et femmes à l'entrée, une soirée sur deux accès, l'accès à l'alcool était réservé soit aux hommes, soit aux femmes.
Et à 2h du matin, la boîte ouvrait la séparation. Ah, trop drôle! Oh là là, Yves, comme pas possible, c'était limite lâcher les faux. Et à l'époque, personne ne voyait le problème. C'était une des boîtes les plus populaires d'Angleterre. Putain, c'est ouf. C'est trop bizarre. Ok. Go rechercher les meilleurs barguets de la ville. Non, mais grave. Allez, pour celles et ceux qui veulent participer, vous m'envoyez un petit popcorn par message privé. On va discuter de vos histoires croustillantes. Donc, allez-y. Hein. Putain, on a été bien servi aujourd'hui, je trouve, en histoires croustillantes. On a eu beaucoup. C'était trop bien. Est-ce qu'on en a une dernière petite, là, d'histoires croustillantes pour passer? Envoyez-moi des petits popcorn là, gauche. Qu'est-ce qui nous envoie? Il n'y a pas que en Angleterre, à Montpellier, une boîte faisait ça et appelait ça le loup et dans la bergerie. Ok. Bon, après, cela dit, chacun est responsable. Comme les boîtes, c'est censé être réservé aux personnes majeures, chacun est responsable des endroits dans lesquels il va et de sa consommation d'alcool, j'ai envie de te dire. Donc, en soi, en termes de moralité, je suis d'accord, c'est un peu limite, mais enfin, je sais pas, moi, je pars du principe que si t'es d'accord pour aller faire ce genre de truc, bah, vas-y, tu vois. La même chose, mais avec alcool à volonté, que pour les meufs. Et les mecs rentrent à 22h dans une boîte remplie de meufs ivres. Ouais, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Après, écoute, j'ai eu du GHB là-bas, rien de grave, mon mec venait me chercher, mais wesh. Ah oui, non, c'est chaud, c'est très très chaud. L'idée était entrée gratuite pour les filles avec alcool à volonté. Oui, bah tu m'étonnes qu'elles y vont. C'est sûr que si t'as ça. En Colombie et Thaïlande, c'est banal les choses comme ça. Oui, bah c'est pas parce que c'est banal en Colombie et en Thaïlande qu'il faut que ça le devienne en France, quand même. Enfin, t'es une question de moralité, tout ça. En Thaïlande aussi, c'est banal de violer des enfants, etc. Ça, tu vois, c'est non. On appelle ça le tourisme sexuel. C'est bien en Thaïlande, hein, où il y a énormément de tourisme sexuel avec des gens, des personnes qui très très souvent ne sont pas du tout majeurs. Il me semble, hein. Il y a plein de choses qui sont morales en Corée du Nord qu'on ne veut pas ici. Voilà, et qui ne seront pas morales, voilà. Donc bref, c'est pas parce que, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous envoie un petit popcorn par message privé? Parce que sinon, bah, on s'arrête là, hein, je sais pas. Thaïlande et Malaisie, oui, bah oui, c'est le malaise. LOL, la grosse blague. Écoutez, j'ai personne d'avance. Qu'est-ce qui nous envoie un petit popcorn? Envoyez-moi un popcorn, parce que sinon, bah, on va pas pouvoir avancer. Si tu passes sur Lyon, on sait jamais. Bon, écoutez, vous savez quoi, il est 11h48, on va s'arrêter là. J'ai envie de vous dire merci infiniment pour ce live et toutes ces histoires croustillantes. Merci d'être là, je ne vous donne pas rendez-vous demain matin, parce que je vous ai dit, demain matin, je ne pourrai pas streamer. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi matin, de 9h30 à midi, on fera un Dr Love. Donc, préparez vos histoires et vos problèmes de love pour vendredi. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon jeudi, vivement vendredi. Gros bisous, love you, merci à mes snipers. Merci à vous, à vos histoires. Subez-vous, followez-vous, envoyez des beats. Love you, à vendredi. Ciao, ciao.